Oh, j'ai deux crottes. Bien le bonjour, bien le bonjour. J'ai oublié mon double vitrage. J'en ai besoin. J'ai besoin de mon double vitrage et besoin d'un café. Ce carrosse, connectons nos vivants. Connectons nos vivants. Un petit café. Connectons-nous et ne restons pas à la fenêtre. Bipez-les tous à grande messe. Ouais. Je ne dure plus d'un mauvais rêve. Bonjour ma Jeanne, comment vas-tu? Bonjour Grand Menems. Bonjour ma Louise. Bonjour Yvette. Bipez-les tous, je dis tous, hein. Pas les histoires que les gens font là. Moi, je vous ai dit que pour commencer, j'ai pas le temps de faire les IB. C'est pas mon genre. Hein? Je suis pas une commère. Oui, oui. Je fais le Congo ça, mais je suis pas une commère. Bonjour Odette. Appelez tous. Non, j'ai pas le temps à perdre. Quand il y a un problème à résoudre, c'est ici sur la toile. Ne venez pas me parler d'IB là. Hein? Et je trouve que ça a assez duré. Et c'est une histoire d'année là pour certains. C'est une histoire d'année pour certains. Bonjour maman, comment vas-tu? Bonjour Yann. Donc, nous allons mettre un petit hola à certaines choses aujourd'hui. Après, la bêtise pourra perdurer. Hein, parce qu'il y en a, même si le parent c'est mal, pouvait venir à bout de la connerie, ça ne pourrait pas les guérir, eux. Ça ne pourrait pas les guérir de la chose. Donc, ici aujourd'hui, je transpire pourquoi? Tous les FP doivent transpirer parce que vous ne savez pas qui je vais verser dehors. Donc, qu'ils viennent ici en direct et qu'ils commencent à trembler. Elle n'est même pas chaud cette histoire-ci. Oui, qu'ils commencent à trembler. Pas les bébés. Vous allez voir ce que c'est avoir une paire de nichons. Vous allez voir ce que c'est. Vite, asseyez-vous ici. Pas les postes en bipant un tel, oui, j'en appelle à ci, j'en appelle à ça. Le sens des responsabilités. Quand tu vas titiller un chien enragé, ne t'étonne pas que le chien finisse par te courser et finisse par te planter ses crocs dans ta chair. Oui, avez-vous les moyens de votre politique? Moi, je dis que non. Je suis une chope d'ail. J'ai dit que quitte à saborder ma propre démarche, ça veut dire que tous ceux dont j'ai les données vont trembler. Sauf que on me sait assez intelligente. Oui, on me sait assez intelligente. Et vous qui pensez que la majorité vous écoute là, la majorité ne vous écoute pas. D'ailleurs, personne ne vous écoute, mais je vais vous donner une leçon de vie. Oui. Celle de Mirabelle là, je viens de vous dire, non, tu ne veux pas entendre, c'est ton problème. Une personne qui n'a rien dans la tête
doit rester derrière, doit rester dans l'ombre. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toi qui es devant. Ben, nous allons donc analyser. Pour ceux qui pleurent, là, les FP qui sont en train de pleurer, vous avez fait avancer le carrosse, non? Voilà votre carrosse. Nous allons voir ce que votre carrosse vaut. Hmm? Quand vous dites FP là, qui est encore vraiment FP? Qui est encore vraiment SP? Donc, je vais lever la bêtise là ici maintenant, puisque beaucoup d'entre vous là, vous êtes déjà montré à au moins une personne. Donc, vous n'êtes plus dans la résistance, on ne sait pas qui fait qui. Hein. Elle dit bonjour à maman. Bonjour Roger. Dans la résistance, on ne sait pas qui fait qui. Il y a des personnes ici. J'ai dit à Loris Malolo que le jour où je saurai qui tu es, hein, c'est le jour là où le combat va s'arrêter. Parce que je vais te tuer parce que c'est ça. Je ne veux pas savoir qui tu es. La étonne de bidule là, la étonne de pacotier là, combien de fois je lui ai dit que je ne veux pas savoir qui elle est? Hein? Oh, ma mère, tu veux me voir? Elle dit que non, tu veux que je te voie pour faire quoi avec toi? Hmm? Donc, quand vous décidez, hein? Maman, envoûtement à Sagiwa. Jusqu'à mettre mon commentaire deux fois, tu crois que j'ai mal au doigt? Comme vous avez avancé votre carrosse là, qui est un lock de. Vous allez donc voir ce que ça vaut. Hmm? Vos histoires de quartier là, vous allez dire que je suis pas une fille de quartier. Non, des bas-fonds. Et c'est une image. Hein? Hein? C'est une image, je suis pas une fille de bas-fonds. Il y a des filles de quartier, il y a des filles de bas-fonds. Je suis pas une fille de bas-fonds. Je vous le dis, j'ai eu une éducation. Et qui tient la route, je ne discute pas avec vous. C'est comme ça, c'est un fait. Tu ne peux pas mieux raconter mon histoire que moi-même. Et moi, je ne suis pas du genre à inventer. Bonjour, Marc. Je ne suis pas du genre à inventer. Ma vie, déjà, c'est... Hein? Là, il y a assez croustillant. Pas besoin d'inventer des faits. Donc, dipez-le. La fenêtre, les places à la fenêtre sont chères aujourd'hui. Ils sont en train de se bousculer là-bas. Commencez donc à trembler. Ah oh, j'ai vu une espèce de capture pondue par si c'est Néné Diakité qui a mot de pleurs. Néné Diakité, tu fais partie des personnes qui diabolisent d'autres dans des IB. En ce qui me concerne, ça doit bien faire 2 ans. Je dis bien 2 ans dans les IB. Donc, le travail que vous faites là, c'est où vous êtes caché. Moi, je viens ici en plein jour. J'ai une paire de nichons. J'ai confiance en ma paire de nichons. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Non. Ce que je dis dans un groupe de discussion, je peux le dire ici en public et en rajoutant même. Tamo, tu ne te souviens pas m'avoir viré hier. Bloqué. Bêtisier.com. Dégage. Vous ne travaillez pas. Comme disait ma grand-mère, coupe le salaire. Hein? Toi qui m'emploie, le blanc, comme tu es le blanc qui m'emploie là, coupe mon salaire, vis-moi du boulot. C'est ce que ma grand-mère disait. Et elle, ma mère, ma grand-mère était illettrée. Elle était même analphabète. Oui, oui, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Je n'ai même pas dit déchiffrer, ni lire ni écrire. Et elle disait que quand tu lui prenais la tête, elle disait que va dire au blanc qui m'emploie là de me virer. Mmh. Je suis une femme de tête et ça ne date pas d'hier. Donc, pendant que je vais faire mon café, vous allez écouter votre bêtisier dans l'arbre à bêtises. Et je vous donne le temps de trembler. Le texte, si c'est de Néné Diakité là qui dit que oui, nous avons décrété que moi, je décrète dans l'autre sens. Que les FP, beaucoup d'entre vous n'êtes plus des FP. Vous vous êtes montré à au moins une personne, donc vous n'êtes plus dans l'ombre. Dans la résistance, des résistants, personne ne sait qui fait quoi. Moi, ne perds pas le nord. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous êtes déjà montré, Dieu seul sait combien de personnes vous connaissent. Vous n'êtes plus dans l'ombre, vous faites semblant d'être des FP, mais vous ne l'êtes plus. Vous vous dites FP parce que vos noms ne sont pas collés sur vos profils Facebook. Vos photos et vos noms ne sont pas collés. Donc, il faut arrêter avec du chantage. Ça, c'est du chantage. Pas vos histoires que vous dites que moi, je ne fais pas le chantage. J'avertis. J'avertis. Si vous voulez que le jeu soit équitable,
Il faudrait qu'on prenne un nom et un visage sur vos profils. Et ensuite, vous venez me parler. Mano à mano. C'est ça qui est ça. Tu ne peux pas être une personne sans visage et vouloir me diaboliser. Non, je ne cours pas après les fous. Je te rends normal, mon égal, et je te wash ici. Faut assumer, assumez-vous vivant. Nous autres avons des fichiers aujourd'hui à cause de vous là, vous toujours. Vos dires, vos diabolisations. Oh, tel allait acheter des armes. Nous sommes allés acheter ça à tel carrefour. Vous nous avez vu nous battre ici. Vous nous avez vu lutter contre ceux. Nous trimballons nos fichiers, non. Hein? Donc, ce que vous racontez là, que les faux profils, il faut les protéger. Maf! Vous nous avez protégés, nous qui sommes à la lumière. Vous voulez entendre ce que vos messagers racontent, ce que vous-même vous racontez. Oh, tel a couché avec un tel. Vous êtes même tombé aussi bas. Vous êtes tombé aussi bas. Néné, tu as été dans cette maison. Je n'ai jamais rien dit à personne. Je dis jamais. Nous étions quatre à être au courant. Que tu connaissais cette maison. Quand il dit assise comme ça là. Si je ne m'abuse, tu étais assise à ma place. Là, là, là. Ton époux était assis là. Tu as fait venir un de tes frères. Vous êtes vu là devant mon immeuble. Tu es venu ici deux ou trois fois. J'efface tellement de ma mémoire que je m'en souviens même plus. Tu as vu au moins une de mes filles. Tu as vu Kiara. Certitude. J'étais aux États-Unis. Tu es venu ici. Tu es venu ici. Donc j'ai laissé ma fille t'approcher sans moi. Moi, si là, je ne jure pas, je ne crois pas, je ne suis pas, je ne pratique pas. Donc, je ne peux pas dire que je jure et ça vaut quelque chose. Moi, si là, je n'ai rien sorti de ma bouche. La personne qui t'avait envoyé était au courant que tu avais été ici, ton époux et ton frère qui était venu te voir en bas. Et je ne suis même pas celui qui sache qui je suis. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée sur les fesses, dans un groupe de discussion, on m'a dit, les gens m'ont dit que, néné, nous a dit que vous êtes même vu, j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos, j'ai dit que la fille, si. Vous êtes censés être des combattants de l'ombre. Et les gens sont obligés de savoir que je vous ai vu. Les gens sont obligés de savoir ton prénom, tu ne me l'as jamais dit, mais je connais ton prénom. Je connais ton prénom. Il est dans ma tête, du moins quand elle dit je connais, il est dans ma tête, mais je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il est dans ma tête, mais je ne m'en souviens pas. Je sais seulement que c'est un prénom original. Ce n'est pas un prénom qui court les rues. Mais je ne m'en, même si je me force, je ne vais pas le trouver. Mais toi, tu as pris ta bouche, tu es allé raconter. Et raconter quoi? Un certain nombre de bêtises. Parce que dans vos histoires, là, c'est à qui diabolisera le mieux Karine. Moi, ça, je n'ai rien contre. J'en ai strictement rien à battre. Il a dit qu'il traversait les quartiers, ils étaient assis là tous les jours. Ils m'injuriaient. Ils y sont encore. Ils y sont toujours. Sauf quand ils traversent, maintenant, ils ne me reconnaissent même plus. Mais leur vie est toujours aussi misérable. C'est pour vous donner une leçon que je sors là. Donc, Néné ne va pas pleurer qu'au faux profil. C'est toi qui es dans les IB de ce que tu appelles tes leaders là. C'est parce que moi, je refuse de faire certaines choses. Votre problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas votre voix. Je vous ai dit que je ne suis pas votre voix. C'est pas du genre, nous ne sommes pas vous n'êtes pas mes rédacteurs. Va dire ça, va dire non. Bonjour Alphonse. C'est ça tout votre problème. Et vous êtes parti. Je ne vous ai pas retenu, vous êtes parti. Beaucoup ont disparu. Comme ces personnes sont arrivées, ces personnes ont disparu. Chacun vit sa vie. Nous sommes arrivés dans ce combat en détail. En détail. Vous avez un sacré groupe. Vous n'êtes pas le premier groupe, hein? Bashing Karine, non. Travaillez. Vous avez décidé de partir. Est-ce que vous avez constitué un groupe de travail? Non. Est-ce que vous avez mon équivalent chez vous? Non. Qui parmi vous se lève tous les matins pour maintenir les Camerounais éveillés? Personne. Mais vous passez votre temps à me diaboliser. Parce que j'ai refusé de dire ce que vous voulez. Mais les gars, c'est moi qui suis surveillé. Je dois être responsable de mes actes. Donc demain, il faudra que je dise que non, ça ne vient pas de moi. C'est l'autre qui m'avait dit de dire. Ça ne va pas dans vos têtes. Bonjour, Chambellan. Bonjour, Roby. Vous n'êtes pas normaux dans vos têtes, là. Hein? Même vos noms de profil, là, même, sont sortis de ma tête. Mais vous passez votre temps. Vous voulez que vous sortez toutes vos captures d'écran.
ce que vous dites dans vos directs là. Je suis assise là. Pour certaines personnes, ça fait plus de 2 ans. Je dis plus de 2 ans, je ne gère pas. Une comme Sabine, c'est Bidjon, si c'est Bayon, si c'est quoi, ça fait plus de 2 ans. 2 bonnes années. Elle ne manque pas d'être, dès qu'on dit Karine, dès qu'on dit, elle est là. Je ne la gère pas. Je lui ai juste donné une petite leçon. Elle a failli se déshabiller. Les balises à Rocao, disparues sans laisser de traces. Lost. Je n'ai pas géré, je ne savais même pas pourquoi elle avait disparu. Moi aussi, j'ai appris ça comme ça. Des personnes qui ont ton macabre, mais qui n'ont pas le respect pour eux-mêmes de venir vers toi, dire voilà, 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 voilà. Non, qui disparaissent avec toute la rage qui va avec. Parce que tu n'as pas dit, non, nous ne devons pas découvrir les sujets comme ça. Nous devons en discuter avant. Vous m'avez embauché. Est-ce que vous m'avez embauché? Hein? Oh, Karine a détourné de l'argent. Vous êtes venu vers moi pour me demander où est-ce que nous en sommes. Non. Vous n'avez pas le courage de venir me poser des questions. Mais vous allez me diaboliser. Elle a mangé le litchi. Elle a détourné ceci. Elle a... Vous racontez toute l'histoire. Vous ne racontez pas toute l'histoire. Il faut raconter toute l'histoire. Moi, j'ai rien contre le fait que toute l'histoire soit... Toutes les histoires soient racontées. Il faut raconter. Vos accusations, là, doivent être entières. Mais vous n'en avez pas les couilles parce que vous n'assumez pas vos propres vies. Donc, je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Tremblez parce que vous ne savez pas qui va être versé dehors. Et je vous dis, ce que rien ne va faire. Vous parlez de combat, vous parlez de résistance. Il y a encore la lutte. Vous luttez. Est-ce que vous luttez? Où ça? À quel carrefour? Si vous êtes dans l'ombre, c'est bien pour une raison. Beaucoup là, vous êtes fourrés au Cameroun, vous y allez, vous mangez votre poisson braisé, vous vous envoyez en l'air là-bas, vous revenez comme si de rien n'était ici. Comme si de rien n'était. Vous faites quoi dans le cadre du combat? Vous êtes dans l'ombre, pourquoi? Et vous vous donnez le droit de nous vilipender, nous qui sommes visibles. Donc, je vais vous arrêter ça aujourd'hui. La chose qu'on appelle Christine Mirabel, là, qui parle de m'assassiner, oui, l'école est bien. Est-ce que je m'offusque? Est-ce que je tremble devant tes menaces quand tu dis que tu as ta main à mon cou? Tu vas appuyer au point de m'enlever la vie. Tes propres dits ici là, l'école est bien. L'école est bien. Qui te dit là-bas qu'on ne menace pas? Parce que ce sont les menaces, hein, maman. Je ne vais pas aller porter plainte. Je dis que je cogne mon pied là, il dit que c'est toi. L'école est bien. Tu me vois trembler quelque part. Non éducation, c'est tout. Je mets ça dans l'escarcelle. Non éduqué. Même pas mal éduqué. Personne n'a même essayé de t'éduquer. Je vais te killer. Je vais finir avec toi. Vraiment, hein, le jour où je vais faire ceci, maman, la femme que tu vois ici debout là. La femme à moitié femme que tu vois ici. Tu connais mes mères. Est-ce que tu as déjà vu mes mères? Tu sais vraiment quand il parle les gens qui disent tu sais qui je suis. Pas sur le plan, mes gens sont grands. C'est que quand tu vois des femmes posées comme ça, des femmes à qui on ne parle pas n'importe comment. Mon père est le seul garçon. Hein. Mon père est le seul garçon. Et il n'est pas efféminé là que j'ai vécu au milieu. Non. Les filles m'ont non. Il y a l'autre chose de Justine Boucam qui dit que oh, son père est méchant, elle est méchante comme son père. Mais les chiens ne font pas de chat. Les chiens ne font pas de chat. Gandongo, c'était pas un petit suivier. Alexandre Timothée n'était pas un petit suivier. C'était le genre qui avait une bande de l'eau et tout ça. Le surveillant de ce que nous appelons lycée bilingue des dernières aujourd'hui, ce n'était pas le petit surveillant, mais ça. Il te marquait l'esprit, le feu sortait. Ce ne sont pas les enseignants d'aujourd'hui, hier, là, comment on dit. Donc, quand vous permettez de dire un certain nombre de choses, nous, comme nous sommes visibles, là, nous sommes des enfants, des chiens, nous devons sauf qu'encaisser. Nous devons sauf qu'encaisser. Non, son père était ceci, elle est méchante comme toi, tu es trop gentil. Je suis méchante, oui. Donc, tu vas voir l'ampleur de ma méchanceté ici maintenant. Hein? Vous pensez que c'est parce que vous êtes caché que vous pouvez dire tout et n'importe quoi sur d'autres.
Je ne suis pas une victime. Hein. Je laisse faire, mais je ne suis pas une victime. Et qui n'a pas essayé? La chose de Luton l'a essayé, non. Elle est où aujourd'hui? Quand moi, la panthère là, a créé un groupe WhatsApp, rien que pour moi. Rien que pour moi. Je suis toujours debout, non? Je suis là tous les matins. Hein? Vous pensez que je ne suis pas au courant? Je rigole seulement. Parce que c'est pathétique. Je connais mes frères du 237. Je vous connais en gros et en détail. Rien ne me surprend d'un Camerounais. Je suis choquée que les choses aient pris autant d'ampleur, mais rien ne m'étonne. Je suis choquée que tout ce qui est négatif soit généralisé aujourd'hui. Que les pôles soient inversés. Bonjour Diane. Bonjour. J'ai dit bonjour à Jeanne. Bonjour Dieu est mort. Moi, c'est ça qui me choque. Il n'y a rien de nouveau dans vos démarches. Ma mère est une femme de tête. Elle a travaillé au milieu des hommes. C'est elle qui nous disait, si tu n'as pas peur de l'être humain, tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit dans ce bas-monde. Vous pensez que ma mère, à l'UQAM, fait partie des premières femmes à avoir travaillé dans l'usine? Ou à votre avis, elle a mis au monde quel genre d'enfant? Elle a élevé quel genre de fille? À votre avis, à votre avis, ma mère marche la tête haute, haute, aidée. Femme célibataire, j'ai vu un seul homme entrer dans notre maison, un seul, pas les Bakoba Jonah. J'ai eu une éducation, pas vos bêtises que vous racontez là, pas vos bêtises. Je suis la plus palapala de la famille. Ma soeur a épousé l'homme, c'est-à-dire le seul homme de sa vie. Elle a connu quel seul, homme, ma soeur. Oui. Et cet homme-là a vu sa culotte après qu'elle ait eu le bac. Il a marché derrière ma soeur, le feu est sorti. Pas vos bêtises que vous racontez là. Nous autres avons été éduqués. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Donc, il faut arrêter avec la bêtise à un moment. Je suis une fille issue d'une petite ville. J'ai grandi dans une petite ville. Qui ne me connaît pas, Edéa? Même si moi, on ne me connaît pas, le visage, on le connaît. Je suis quasi la photocopie conforme de ma mère. Vous racontez quoi à qui? Est-ce que vous avez besoin d'inventer des histoires? Allez vous renseigner. Il y a des personnes d'Edéa qui suivent le direct. Lancez un appel qui vient vous raconter ma vie. Comme vous aimez fouiller dans les vies des gens. Écoutons donc la chose que vous avez envoyée. Quelques minutes. Écoutons là. Parce que toi, néné, tu vas prendre un poste, tu en appelles au leader. Que les leaders viennent me parler pour vous protéger. Vous vous protégez vous-même. Bonjour Nathalie. Vous protégez vous-même. Je vais mettre un terme à ça aujourd'hui. Vous allez vous assumer vivant. Quand c'est trop scellé. Oh, je vais te tuer. Oh, je vais te tuer. Oh, je vais te tuer. J'ai la main à mon cou. Tu cherches même la chose là. Tu ne vois pas. J'ai la main à ton cou. Oh, ma chère, ma chère. Oh, gna 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 gna. Jusqu'à venir même... il y en a qui ne savent même pas ce que c'est le sarcasme. Jusqu'à venir me parler de beauté. La mère, est-ce que c'est que je mesure la beauté avec toi? Est-ce que je mesure la beauté avec toi? Jusqu'à venir parler de la marque du yaourt que je mange. D'où Jésus. Je me cache quand je mange ici. Quand je vais sur un digue, une personne mange, je connais la marque de son yaourt. Est-ce qu'il me rend même compte que la personne mange? Donc, voici votre envoyé. Écoutons. Bonsoir, ma Juju. Écoutons. Intellectuellement. Je vais vous lire les commentaires. Si vous voulez que je vous passe même ça d'une façon intégrale, c'est mieux. Les gens que tu as frustrés. Micheline Tchatchoa. Micheline Tchatchoa. On t'a trop cherché même. Donc, je te suis en différé. Mais je suis sauf que scotché. Aura. Micheline Tchatchoa.
Le 6 octobre. Où est le live d'hier? Non, elle a fait un live il y a deux heures. Où est le live d'hier? Pourquoi est-ce que tu as effacé le live d'hier? Le live d'hier n'est plus ici, c'est celui d'il y a 6 jours. C'est celui d'hier là qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu as effacé le live d'hier? Assumons-nous vivants, hein? Ou tu dis que j'ai couché avec Calibri, j'ai couché avec Max. Tu as effacé le live d'hier, pourquoi? Elle a effacé, allez vérifier. Je suis sur son mur là. Ça, c'est le 6 octobre. Ça, c'est le 6 octobre. Ton live d'hier est où? Un repas, soutien total. Dans nos enseignants, on a tous les enseignants dans nos familles. N'est-ce pas toi aussi, tu fais les matinales? Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas voir les choses, la colère de Dieu, c'est le sang, il y a trop de mauvaises choses. Bon, je vais laisser maintenant en particulier au 237. Tu es très en colère. Dieu. Non. La seule chose que je peux faire ce matin, c'est de vous dire, tenez bon. Tenez bon. Cécile Mirabel, ma démarche, faut créer. C'est nous qui avons pensé le combat. Nous sommes une poignée à avoir pensé le combat. Une poignée. Nous sommes maximum 10. Ce que vous voyez dans le combat là aujourd'hui, vous êtes maximum, nous sommes maximum 10. Je dis penser le combat. Donc ce que nous avons élaboré au départ, sert d'exemple aujourd'hui. Tu fais les matinales. Je suis la reine des matinales. Tu fais quoi? Quand tu parles, ce sont mes paroles qui sortent de ta bouche. C'est ce qu'on appelle influence. Tu auras beau fuir. Ce n'est pas de la manipulation, pas d'influence. On ne manipule pas de vieilles personnes. On ne manipule pas ta fille. Et une de tes filles, elle est née de la mienne. D'au moins 6 ou 7 ans. Moi, j'ai des bébés ici. Ma fille est née à 21 ans. Je te manipule via quelle? Oh, la manipulatrice. Oh, machin, machin. Oh. Écoutez les bêtises là. Même le directeur d'il y a 6 jours. Pourquoi tu as effacé celui d'hier? Il faut vous assumer vivant. Madame a fait les études de droit. Tu nous as toujours pompé ça ici. Tu connais le droit. J'ai dit que j'ai des notions de droit. Et c'est vrai. Je n'ai même pas de petites notions de droit. C'est vrai. Tu veux que je te sorte mes livres? Mes livres sont encore posés Donc, ici. tu nous as roulé dans la farine depuis ce temps. Donc, écoutez, une personne qui, je n'ai jamais, ça dit, j'ai parlé à cette fille, je pense, une fois IBR, je lui ai posé une question Mon sur son français, clan. que tu sais manier. Je sais Regardez. manier la langue française. Vous savez que je sais manier la langue française. Madame, je pensais que tu étais une grande. Je pensais que tu faisais partie de l'académie française, là-bas. Les grands gens de la littérature française qui écrivent des romans là, qui écrivent des livres beaucoup, beaucoup, beaucoup là, hein? Je t'ai dit qu'on ne joue pas avec moi. D'accord? Je t'ai dit l'autre jour que je vais revenir et je vais être destituée. Et là, c'est ce soir. Je ne discute avec personne. Tiens donc. Je ne discute avec personne. Oui, je suis en mission dans ce combat. Et la mission a commencé. Waouh, c'est pas trop tôt, hein? 5 ans plus tard. J'étais tous les gens qui ont détruit le combat, je dois les foutre à la porte. Waouh, En quelle commençant ambition. par toi. Underfoot. Je propage ta mission là. En commençant par toi. Donc, je te fais la promesse. Avant que je me repose un peu quelques mois. Avant que je me repose un peu, avant que je ne me repose. Oui, ma mission, Oui. c'est d'établir la vérité Académie française. et de Bonjour mettre Tracy au cœur Royal. du combat. Bienvenue. Oui. Christine Mirabel. Elle veut me Tu as destituer. trop nui.
Tu as détruit ce combat. Ah oui, tiens donc, c'est nouveau. À 80%, tu as détruit le combat. Je à 100%. Moi, je t'accuse d'avoir détruit le combat. Christine Mirabel. De l'intérieur. De l'intérieur. Mon frère, je ne peux pas te prendre, s'il te plaît. Je te prendrai, je ne peux pas te prendre. Je vous lis les commentaires. Oui. Et bien sûr, me dire. Tu as détruit le combat. Tu as fini de détruire le combat. Tu as détruit les personnes. Ah. Tu as frustré les personnes. Ah, ben tiens, ce sont des gamins. Ah, Karine. Oh, Karine, elle n'est pas gentille avec moi. Tu es que dalle. Ah, ben tiens. Tu n'as même pas eu licence. Mais tu t'es dit, tu venais te la jouer. Tu n'as même pas eu licence. Loc de 1. Je suis même pas sûre qu'elle ait vu la classe de 6e. Loc de 1. Bonsoir, ta mère révolution. Loc de 1. Je suis même pas sûre que tu aies vu un jour la classe de 6e. Hein? Elle sent dans ta poche. Mais tu nous chantais matin, midi, soir. Tu étais intellectuellement calé. Je suis intellectuellement calé. Là, tu as la tête bien faite. Complètement. Les autres à côté de toi n'étaient rien du tout. Toi, tu n'es rien du tout. Je le répète. Tu as frustré les combattants, les Amazones, en les insultant, en les vilipendant tous les jours. Pour rien comme ça, je me suis levé le matin. Aujourd'hui, tu viens nous dire que quoi? Je me suis levé le matin et j'ai commencé à taper sur Christine Mirabel. Oui. Moi qui montais sur leur direct pour dire que mais ce que vous êtes en train d'organiser là, c'est comment avec vous? Et tant de luxe et toi? Oui, je me suis levé le matin, n'est-ce pas que j'ai perdu le nord? Qu'est-ce que ça a à foutre? Je me suis levé le matin, j'ai commencé à taper sur toi. Vous ne faites jamais rien. Jamais rien. Oui, vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Oh, elle me lançait des pics depuis 5 mois. À quel carrefour? À quel carrefour? Tu es dans ton délire et je dois en être responsable. Tu es la première. J'ai dit que ça, la folle de lutte, on a essayé, non? Pour toi, petit, nous étions dans un groupe de travail. Nous n'étions pas dans un groupe d'amis, de relations, de voisinage. Nous étions dans un groupe de travail. Hein? La folle de lutte, on l'a. Elle est sortie, elle a fait quoi? Tu peux. Elle avait une grosse partie du combat derrière elle. Elle en est où aujourd'hui? Donc toi là qui trébuches sur tes propres mots, tu peux faire quoi? Toi qui? Christine Mirabel, toi qui? Écoute-toi. Quand on dit qu'une personne n'a rien à dire, écoute-toi. Non. J'ai dit je veux voir tes diplômes. Elle veut voir mes diplômes. Tu veux voir mes diplômes, moi, Neza? Tu es mon employeur. Même mon employeur ne m'a jamais demandé de diplôme. Chez nous, on passe le concours. C'est le concours, ton diplôme, Dumkov. Toi, tu as lequel? Détruit le combat à 85%. Ah, ben ça monte. 90%. Mais 100%. Je t'accuse. Je t'accuse. Et tu penses que tu vas t'échapper? Je dis, c'est aujourd'hui que je t'enlève. Et je suis toujours là. Ça fait 6 jours. Hein. Mais vous l'avez. Ça fait 6 jours. Je suis toujours là. C'est aujourd'hui là. Oui. Tu avais dit qu'il y a les gens qu'on ne touche pas. Tu m'avais dit ça où toi et moi avons causé où? Les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. D'où Jésus. Elle a passé les cinq dernières années dans des groupes avec nous. Les 5 dernières années. Quasiment tout son combat. Ténébreuse. Dans l'ombre. Tu es une ténébreuse. Christine Mirabel. Tu sais ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas, je vais prononcer les noms. Prononce-le. Je ne vais pas prononcer ton nom. Essaye, je t'ai dit de prononcer mon nom. Je te mets au défi de prononcer mon nom. Prononce mon nom, Christine Mirabel. Ça, c'est ton nom de profil. Prononce le mien. Mon nom intégral est sur mon profil. Prononce mon nom. Ne demande pas ton avis. Tu sors. Tu laisses
désormais les garçons libres. Yeah, tu dis bien, tu laisses désormais les garçons libres. C'est le premier ultimatum que je te donne. Tu m'étonnes. Tu laisses les garçons libres. Aïe, maman, elle ne se prend pas pour un franc. Hein. Tu les laisses tranquilles. Tu les laisses tranquilles. Vraiment, la boisson n'est pas bonne. Des petites manigances, c'est fini. Tu les laisses. Christine Mirabel. Oui. Ils vont se débrouiller tout seuls. Ils sont capables de se débrouiller tout seuls. De grands garçons. Ils sont capables. Avec une comme toi, tu as été incapable de s'occuper de... Incapable de quoi? Tu ne peux pas être leader parmi ce garçon-là. Tu n'as pas la carrure. Oh, tiens, elle en a une. Une femme leader. Tu n'as pas. Ah, elle est leader. Donc je te destitue. Wow. Tu la laisses en paix. Les mots sont où? Tu sors. Tu quittes le combat. Sors du combat. Tu n'as plus rien à faire dans ce combat-là. Tu m'étonnes. Elle est trop dans le combat. Tu n'as rien à faire. Christine Mirabel. Tu as assez fait. Ça suffit. Sinon, tu as coulé les âmes, gars. Oui, Christine Mirabel. D'accord. Vous lisez les commentaires. Tu ce soir. C'est fini pour toi. Le combat est terminé pour toi. Tu restes loin. Les garçons, je dis bien loin. Je te donne l'ordre de sortir. Tu sors. Tu sors, tu recules. Tu ne t'approches plus des garçons. Eh ben tiens, comme si elle défendait ses fils. C'est terminé. C'est terminé. Jameau a besoin de, il faut agrandir le centre Jameau à vrai. Mes fils. Ce sont mes fils, Mpiangalang. Pour les fils, tu n'as pas honte de mouiller ta petite culotte pour les garçons. Ben, vous avez entendu. Une vraie mère ne regarde pas ses garçons avec les yeux pétillants d'amour. On dit un œil. D'accord. Donc tu regardes. Académie française, mieux ma part d'académie. Hein. Bonjour Emmanuel. Mieux ma part d'académie, on dit un œil. Hein. Non, des yeux pétillants. Quand je dis que j'ai une tête bien faite, la mère, je ne cherche pas mes accords. Et c'est toi qui viens parler de ma part d'académie française. Adama. Promotion de la médiocrité. Les locks de 1. Les locks de 1, là, c'est comme si ma part d'ongle si allait s'amuser avec une manicure d'une blogueuse là-bas. Oui, ma part de manicure ratée. Je n'arrive même pas à me débarrasser de ça. Oui, tu nous as dit que, vraiment, on croyait que tu faisais partie de l'Académie française. Bah oui, au pays, tu sais pas qu'au pays des aveugles, bon, ils sont rois. On dit un œil, la mère. On dit un œil. Même un enfant de 2 ans, c'est qu'on dit un œil. Pas une. Tu n'es pas d'expression anglaise. Tu n'es pas anglophone. Voici la personne qui va me détrôner. Azam. Sabine dit qu'elle a eu un CAP. Elle a eu... Sabine, sors-moi ta part de CAP. Sors-moi ta part. On voit. Finis d'abord de passer ta part. Tu viens, tu poses, je pose le mien. Toi-même, tu es en train de faire une formation là. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Je suis dans la fonction publique. Chez nous là, hein, ce sont des échecs. La promotion interne, mieux tu laisses, tu oublies. Mieux tu oublies. Tu vas faire l'examen, le concours. Oui, tu vas plancher. Bonjour, Serge, comment vas-tu? Tu vas plancher sur une copie. Hein? Toi qui écarquilles les yeux là, tu penses pouvoir faire le concours de la fonction publique pour être femme de ménage? Tu penses pouvoir?
faire un concours de la fonction publique pour être femme de ménage. Est-ce que tu penses pouvoir? Toi qui dis une œil. Une œil. Pour commencer. Deux voyelles ne se suivent pas en français. On ne dit pas belle été. Belle été. Il n'y a pas de E. J'ai une tête bien faite. Et je vous ai dit que dans ma famille, ma mère et moi sommes celles qui ont le moins school. Je répète. Ma mère et moi sommes celles qui ont le moins school. L'aîné de la fratrie, prof de maths. Je le redis ici. Nous avons eu une bonne éducation. Ma mère est une ancienne du collège de la retraite, pas les bacs Badjona. Nous autres là, on n'était pas dans des écoles un genre. Pas du tout. Et je vous le dis pour que les Camerounais comprennent que ce que nous voyons là aujourd'hui, il y avait des personnes qui avaient qui n'étaient pas riches et qui mettaient des choses en place pour que leurs enfants s'accrochent. Je le redis, ma mère et moi sommes dans notre famille, quand je parle de ceux qui sont allés à l'école. Celui qui suit ma mère est ingénieur, agronome. Celui qui arrive après, expert comptable. Nous sommes celles qui ont le moins school. Ma mère est secrétaire de formation. Si vous connaissez ce pays, vous savez quel est le cursus, ce qu'il fallait faire pour être secrétaire. Ma mère est secrétaire de formation. Donc vous pouvez imaginer son niveau. Et je vous dis que dans la boîte où elle a travaillé toute sa vie, elle a fini agent de maîtrise. Vous n'écoutez pas. Toto ne comprend rien. Toi, Christine Mirabel, tu es arrivée ici, tu avais quel âge? Tu as fait quoi pour compenser dans ce pays dans lequel tu as la possibilité de faire des formations pour jeunes adultes jusqu'à l'âge de 25 ans? C'est après 25 ans qu'on te classe adulte. Ça aussi, elle ne veut pas comprendre. Je ne parle pas de majorité, je parle d'adulte. Jusqu'à l'âge de 25 ans, tu as des avantages dédiés aux jeunes adultes. C'est après 25 ans qu'on te dit que toi, la société, t'as déjà assez, hein, tiré vers le haut. Maintenant, là, tu vas aller te débrouiller en tant qu'adulte. Donc, toi qui es arrivé jeune ici, nous autres sommes arrivés pour aller dans des écoles supérieures. Toi, tu es arrivé ici bien avant. Tu as fait quoi pour compenser? Nous sommes nombreux à être repartis à l'école. Beaucoup ont repris. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont fait un master d'eux-mêmes, qui ont dû recommencer, qui ont dû aller faire infirmier, infirmière, ceci et cela. Toi, tu es assise là. Les lèvres versées comme ça, comme les peaux de bœuf bien tendres. Tu as fait quoi? Tu dis, oh, toi, tu ne peux pas être leader. Oh, toi, tu ne peux pas faire ceci. Je parle de ma vie ici. Et pas pour dire que je suis la meilleure d'entre tous ou d'entre toutes. C'est pour vous dire que tout le monde peut. Tout le monde peut, surtout ici en France. Tout le monde peut. Les formations pour adultes sont versées. Donc, toi, Christine Mirabel, tu fais quoi? Moi, je suis entrée à la. Ça, vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas besoin d'aller inventer. Je vous dis que je suis entrée à la ville de Lyon comme femme de ménage et dans des toilettes. Je dis bien dans des toilettes. Mais je regardais l'argent que ma mère avait dépensé. C'est-à-dire que même si ma mère ne me. Et ma mère ne m'a jamais dit, oui, ma fille, tu m'as déçue. Tu m'as. Non. J'ai dit que, oh! Ma mère
Ah, ça dit le visa. Je suis arrivée ici avec un visa. Pas les bacs que Badjona. Hein? Virement irrévocable. Un an bloqué. Tcharap. Bloqué. Tcharap. Vous savez combien de millions ma mère a dû bloquer? Vous savez combien on demandait à l'époque? Mmh. L'équivalent de vos 600 euros aujourd'hui. Oui. Et tu te permets de dire que oui, ma fille voulait entrer dans cette école-là, c'est cher. Ta mère ne pouvait pas payer. Ma mère ne pouvait pas payer. Ma mère a payé. Ma mère a payé. Ma soeur et moi n'avons fait que des écoles privées. Et je ne discute pas avec toi. Ce n'est pas toi qui décrète. Ma mère a fait deux virements irrévocables, celui de ma soeur et le mien. Irrévocable, celui de ma soeur et le mien. La caution de rapatriement, c'est moi qui ai envoyé ça à ma soeur. Et je ne travaillais pas. Pour dire, nous pouvons. Toi, tu es arrivé ici. Douma profonde. Quand nous parlons, nous autres, d'études, tu penses que les études, c'est seulement aller à l'école? Tu veux que je te montre ma bibliothèque? Tu veux que je te montre les livres que j'ai achetés dans ma vie pour apprendre de moi-même? Oui, l'intelligence est... la connaissance est sexuellement transmissible. Quand tu vis avec une personne qui adore apprendre, tu apprends. Sauf si tu n'apprends pas, l'affaire là va finir. Quand vous allez fréquenter du monde, les conversations, il faut que tu suives. Même si tu es Douma. Sinon, tu n'es qu'un pot de fleurs et je ne suis pas un pot de fleurs. Bonjour Inès. Je ne suis pas un pot de fleurs. Oui, la connaissance est sexuellement transmissible. Si toi, tu n'es qu'un trou de vidange, c'est ta part là-bas. C'est ta part là-bas. J'ai été éduquée. Je ne te demande pas ton avis. Tu dis que oh, il faut laisser les garçons tranquilles. Les garçons viennent chercher quoi là-dedans? Donc tu envies ma place. Mais qui t'a dit que j'enferme les gars là? Bon, Maxou est il est au UK là-bas. Qui est ici à Lyon avec moi? Bonjour Maëlène. Qui est ici à Lyon avec moi? Pourquoi est-ce que vous pensez souvent que des adultes sont tenus en laisse? C'est parce que toi-même, tu es le genre de choses qu'on tient en laisse. Nous sommes des âmes libres. Nous sommes des âmes libres. Tu veux parler à calibrer, tu veux parler à calibrer. Je le tiens comment là? Il ne faut pas soit manquer de respect aux gens comme ça. Je le tiens comment? Oui, j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour ces garçons-là. Hein? Tu sors de ta bouche que j'ai couché avec. Et même si j'ai couché avec, c'est ton gars. Ce sont tes gars. Bonjour, Suzanne. Est-ce que ce sont tes gars? En quoi ça te concerne? Je cherche à savoir qui trempe dans ta tasse. Je cherche à savoir qui vidange chez toi. Qui fait sa vidange chez toi? Je cherche à savoir. Toi et moi avons déjà vu ce genre de conversation. Pour venir me parler de ma plus petite culotte, tu en connais la couleur. Voilà donc ton niveau. Désormais, tu ne t'approches plus des garçons. Désormais, elle m'approche plus des garçons. Chez qui? Je te donne l'ordre, je te donne l'ordre de sortir du combat. Je ne te demande pas, je te l'impose. Si tu essaies de faire le bras de fer avec moi, la foudre de Dieu va s'abattre sur toi. Tu m'étonnes. Tu vas entrer dans la manne, tu ressors par le fundi, sans bouger de chez toi, n'est-ce pas? Je te tiens la promesse aujourd'hui que tu recules. Va faire tes trucs là, tes bêtises là. Tu vas devenir une fianceuse si tu veux, mais tu laisses le combat. C'est fini. Tu as joué ta partie. C'est terminé. Christine Mirabel. C'est terminé. Qui m'appelait Sita ici. Eh bien, tu es resté là 5 ans. Soir, tu dis que tu as ta liste ou la liste de quoi?
tu peux donner, tu peux donner au gouvernement. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on ne sait pas que tu nous as vendu? On sait que tu nous as tous vendus. Mmh. Quel que soit le côté que tu te trouves, ah. Tu nous as vendus. Quel que soit le côté que tu te trouves. Tu penses qu'on ne sait pas? Mmh. Et pendant 5 ans, tu étais là. Pour les qui? Mmh. Christine Mirabel. Tu nous prends vraiment pour les qui? Donc quand je sors, mmh, quand je viens les verser ici, il y en a qui disent qu'il faut que je laisse. Même pas avec toi. Hein? Même Christine pas Mirabel, hier, elle était là, Sita, Sita. Tu pensais qu'on ne sait pas que tu nous as vendu. Il y a quelques semaines, tu étais encore en mode. Bonjour, Sita. Tu as détruit, comme tu as pu détruire, comme tu as fait là, à 85%. Mmh. Tu as fait du bon travail. Maintenant, c'est stop. Elle dit quoi finalement? J'ai détruit à 85% ou j'ai fait du bon travail à 85%. Je vais t'occuper de toi et tes filles. Parce que mes nièces ont besoin de toi. Ah ben tiens. Va t'occuper d'elle. C'est toi qui t'en es occupé pendant les 21 dernières années. Avoir la jugeote d'être une mère responsable. Wow. Parce que si tu n'as pas été capable de tenir les Amazones. Ou en groupe. Ça veut dire que même dans ta maison, tu as échoué. Je sais, Mirabel. Tu es incapable. Je sais, Mirabel. Moi, on entend mes filles ici. Depuis que je suis dans le combat, vous voyez même souvent 100 kilos passer derrière ici, 1m60. Ou 75 ou 60 combien passé ici derrière. Des fois je gère, des fois je gère pas. Vous voyez souvent l'autre que j'appelle la Ferrari là, parce que ici j'ai le. C'est qui est comme ça là. Vous l'entendez souvent, n'est-ce pas? Pendant que tu nous parlais dans les groupes là, nous avons un jour entendu un de tes enfants. Tu viens parler de l'éducation de mes enfants. Que tu entends souvent en fond sonore ici. Tu veux vraiment glisser là-dessus. Restons d'abord au niveau de ton éducation, la mère. Restons d'abord au niveau de ton éducation. Ça, là. Je ne sors pas gratuitement. Hein. J'encaisse longtemps. Et là, je dis, abîme tes foies. Pas parce que tu es trop nuisible. Non, c'est parce que tu pleures. J'aime pas les chouineuses. J'aime pas quand on chouine. Ça m'agace. Je supporte ça d'un enfant. Mais un adulte qui chiale, qui chouine, c'est agaçant. Surtout quand l'adulte là est responsable d'un certain nombre de choses. Il y en a qui ont essayé. Pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas des erreurs d'autres personnes? Il y en a qui ont essayé de jouer à ça. Qui avait une partie du combat derrière eux. Toi, tu penses avoir du monde derrière toi. Même si tu as la France et la Navarre, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Tu veux sensibiliser. Le canal est ouvert. Tu veux gérer mes fils. Le boulevard est ouvert. Qui t'a dit que des adultes, un adulte peut en attacher un autre? Qui t'a dit ça? Qui vous a même dit ça? Vous êtes un certain nombre à dire là qu'on vous manipule. Même les enfants nés, nos enfants d'ici, on ne les manipule pas. Hein? On ne peut pas. 2 ans, tu ne peux même plus. L'enfant là te regarde dans les yeux comme ça, te fait comprendre que là, tu es en train de m'embrouiller. Donc toi là, pendant 5 ans, il y a moins d'un mois encore, tu étais dans les groupes. Hein? Donc tu savais que j'avais vendu le combat. Quand tu es mazo, tu étais assise là. Dis-moi alors où se trouve le comptoir. Donc, quand vous sortez des bêtises comme ça, quand nous sommes idiots là, je ne dois pas venir te redresser les bretelles de temps en temps, ça vaut ce que ça vaut en même temps. Donc, écoutez bien, hein. Il y a des bêtises qui devraient être connues de tous. Tu es une incapable, je vais dire. Donc, cette femme-ci et moi, nous ne sommes jamais fréquentés. T'approche des garçons. Nous avons été dans des groupes de discussion. Ça s'est arrêté là. Des choses que tu fais souvent. Donc, elle me traite d'incapable. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler si ils veulent. Mais moi, je te donne l'ordre.
de les laisser en paix. Et si tu ne les laisses pas en paix, tu vas voir. Tu ne peux pas rester là, tu dis mes fils, mes fils, mes fils, et tu mouilles dans ta culotte. Pour tes fils. Ça, c'est quel genre de bébé? Tu es une femme répugnante. Christine Mirabel. Dans ses œuvres. Tu es une femme répugnante. Non, Karine ne répond pas. Karine ne dit rien. Est-ce qu'on répond même? On la met face à sa bêtise. Répondez-vous, les gars, répondez quoi ça? Elle a vu ma culotte ou quelque part, un jour. Voilà. Je veux rétablir la vérité. Mais rétablir donc la vérité. Rétablir la vérité. Tu m'étonnes. Va faire être influenceuse si tu veux. Va faire être influenceuse si tu veux. Oublie. On va refaire la lutte. Ah, mais tiens. Sans toi. Qui vous a arrêté? On va refaire la lutte sans toi. Et tu vas voir comment on va décoller. On va. Bonjour, Jati. Tu n'as jamais été dans la lutte. Eh ben tiens, que les bonnes. Tu n'as jamais été. Pendant ce temps-là, oui, tu prenais tes numéros, tu faisais tes relations. Je prenais mes numéros. Tu attrapais à gauche, tu attrapais à droite. Oh, ma soeur que j'aime beaucoup. Oh, ma soeur que ceci, cela. Oh, ma soeur, mais bim, coupe que tu es, madame. Mais bim, coupe. Tu comprends ça? Mais bim, loli. Mais bim, coupe. Tu n'es rien, Zizaminga. Une femme de valeur. Ah, ben tiens. C'est tenir une famille. Mais tu n'as pas les qualités. Je te dis que tu n'as même pas la carrure. Même pas. Je suis sa belle-sœur. Et tu t'élèves. Tu nous traites des choses. Tu écoutes. Tu dis que tu ne nous suis pas. Mais on te voit aller répondre dans les postes des gens. Hein? On te voit aller répondre dans les postes des gens. Mirabel ne te suit pas. Je suis très bien. Je t'ai débloqué ce soir. Que tu ton message là. Guy, je t'ai bloqué moi. Je t'avais dit que c'était les préliminaires. Donc tu m'as bloqué. Tu m'as débloqué il y a 6 jours. C'est hier que j'ai vu que tu m'as débloqué. Je t'ai bloqué. Je t'écoute pas. Ce soir. Je suis passé par un autre compte pour me prendre. Je t'ai bloqué hier. Hein? Sinon, les mots n'allaient pas te pénétrer si je dormais sans t'annoncer ça. Eh bien, tiens. Non, c'est fini. C'est terminé. Tu sors. Wonderful. Tu as beaucoup fait de mal. Beaucoup même. Tu as beaucoup fait de mal. Oui, tu es tout... Je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer les gens que tu as détruits. Oui. Christine Mirabel dans ses œuvres. Tout ce monde-là, je ne peux pas. Je ne peux pas citer. J'ai détruit Sabine. À quel carrefour? Sans compter les gens que tu descendais dans tes lives. Pour descendre, les gens viennent pour poser, pour parler. Même si on t'est contredit, tu n'as pas besoin d'insulter, madame. Tu n'avais pas besoin d'insulter. Christine Mirabel, et tu étais sur les directs là tous les jours. Hein? Tu étais là, toi, tu rajoutais ta dose. Donc, je ne devrais pas descendre les gens. Tu quoi? Tu veux défendre la cause de, comment on appelle celui-là, Dibanque. C'est mon direct, non? Je donne la parole à qui je veux. Le macabre là est lourd, moi, ça. Sabine, j'ai géré Sabine. Elle dit que j'ai fait quoi, Sabine? Vous aimez souvent qu'on vienne vous déposer ici sur la place publique. Hein? Il s'est passé quoi entre Sabine et moi? Hein? Sabine, mais Dionne, dis à tes soeurs ce qui s'est passé entre moi. J'étais à ce carrefour là. C'est comme ça que vous venez souvent provoquer. Pour établir la vérité, on vient vous verser ici. Sabine, toi spécialement là, est-ce qu'il s'agit de combat? Quand ça, cette chose, si le machin articulé s'est dit que, oh, tu as détruit les gens dans le combat, Sabine, il s'agissait de combat. Est-ce qu'il s'agissait de combat? Sabine, vous qui êtes honnête là, est-ce qu'il s'agissait de combat? Parlons donc de Sabine. Je crois que j'ai joué à la roulette assez longtemps et c'est tombé sur Sabine. Hein?
Sabine, à quel moment est-ce que le combat nous a séparés? Ah, Sabine! Ah, Sabine, la chose articulée, ce qui parlait là, était dans le groupe à l'époque. Elles y étaient toutes, les baïtonnes de luxe. Elles y étaient toutes. Elles y étaient toutes. Je suis même sortie du groupe parce que j'en avais marre des chamailleries. Je vous avais dit que vous êtes de grandes personnes. Allez gérer ça entre vous. Ce sont des histoires privées. Vous n'avez pas à venir nous emmerder dans le groupe. Au commencement, nous n'étions pas là. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Oh. Au commencement, nous n'étions pas là. Ce sont des histoires de l'ordre du privé. Nous n'avons pas à subir vos nuisances. Oh, j'ai compris, j'ai compris. J'entre dans le groupe quelques jours, le lendemain, je trouve des injures, comme nous savons, bien, en étalé. J'ai cliqué sur quitter le groupe. La suite, je ne connais pas. La suite dans le groupe, je ne connais pas. Sabine, une autre personne, nous avons été trois à parler. Je vous ai dit, calmons-nous, laissons couler. Vous avez dit, oh, tata, j'ai compris. L'autre a dit, tata, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Je reviens quelques jours pour envoyer des messages à vous deux. Vous m'avez bloqué et vous dites que je vous ai fait quoi dans le combat? Il s'agissait de combat. La majorité de ceux qui sont ici étaient dans ces groupes-là. Il s'agissait de combat. Parce que c'est bien d'aller gaspiller le nom de la personne que vous voulez manger en sorcellerie. Oui, elle a détruit ceci. Onyadjin, Obwelnum. Biombi, ma vie. Tu ouvres, comme disaient les boulokwa, ya, ya, nyoué. Tu comme la baleine. Et tu as détruit les gens dans le combat. Il s'agit de combat. Même pour vous là, il s'agit de combat. Ou il s'agit de vos hormones. Oh, Karina, oh, tu as couché avec ceci, tu as couché avec cela. Je parle de vos histoires de coucherie. Je suis déjà venue ici en direct, j'ai parlé de vos histoires de coucherie. Qui sont de notoriété publique. C'est comme ça que vous cherchez souvent. Parce que pour moi, là, c'est vrai qu'avec l'âge, je me soigne. Mais il fut un temps, là, j'aurais y a sorti. Mais ce n'est pas la peine. Dites à votre public s'il s'agit des histoires de combat. Non, il s'agit des histoires de coucherie. Et quand il s'agit de coucherie, je ne suis pas la chandelle. Hein? Je ne tiens la chandelle nulle part. Pourquoi est-ce que quand ça tourne mal, vous voulez que je vienne jouer à l'avocate? Est-ce que vous êtes au courant de mes histoires de coucherie? Je suis arrivée dans un groupe avec des histoires de coucherie. Non, parlons peu, parlons bien, abîme tes fois. Hein? La malhonnêteté de nous autres là est à embouteiller. Est-ce que vous m'avez vu me mêler des histoires de coucherie quand elles arrivent dans un groupe de discussion? Combien de fois je vous ai dit qu'ici là, les gars, que même dans ma propre famille là, je ne me mêle pas des histoires de couple. Vous êtes des adultes, le groupe n'a pas empathie. Donc le macabre que Sabine Bédion a, c'est parce que je n'aurais pas pris son parti. C'est parce que je n'aurais pas pris son parti. Hein. J'ai beaucoup souffrance. Et ils vont faire leurs choses là-bas. De tiens que je trempe mon biscuit dans ta tasse. Quand ça tourne court, la mère que je suis doit venir prendre parti. Mais il n'y aurait pas de parti que j'étais quoi? J'étais la tasse ou bien j'étais le biscuit. J'étais la chandelle. J'étais le lit, j'étais quoi la couverture? Non. Et Sabine a le macabre là depuis. Bonjour, bonne raison, Georgette. Elle a le macabre là depuis. Je n'avais pas pris son parti. J'avais pris le parti de l'autre. D'ailleurs, moi-même là, Jésus était son plantain. J'ai dit, dans quelle république, non?
Oh, elle-même, elle avait ses intérêts là-bas. Le plantain là avait dit que avait promis faire venir sa mère. Le plantain là, et c'est le consulat de France. Est-ce que c'est le consulat de France? Vous voulez que je dise plus? Est-ce que c'est le consulat de France? Moi, si là. Des histoires de plantain. Ils ne vous avez pas demandé d'aller voir ailleurs si nous y sommes. Donc Sabine a mon macabo parce que je n'ai pas pris son parti dans le cadre d'une histoire de tasse et de biscuits. De qui a plongé, qui avec qui, comment, dans quelle position. Avec les qui. Parce que c'était au pluriel. Les tasses, il n'y avait pas qu'une tasse. Il n'y avait pas qu'une tasse. Des histoires qui nous insupportent dans ce combat. Des histoires qui nous insupportent dans ce combat, que vous êtes quelque part là, vous avez des migraines. Des fois, nous sommes dans des commentaires comme ça pour rigoler, pour nous détendre. Quelqu'un vous apporte une tension qui n'a pas de nom. Et aujourd'hui, toi, Mirabel, qui étais dans le groupe là, jusqu'à il y a même eu scission, comme vous savez prendre souvent parti là. Mirabel est homme de luxe, Sabine, un certain nombre de personnes, vous êtes allé à gauche. Moi, j'étais là comme ça, vous regardez. Il fallait que je prenne parti. Hey, j'avais en parler, vous avez en parler. Vous avez marié. Je suis tilt, je suis Tinder, je suis mythique, je suis darling. Non. Voilà donc des, voilà donc des histoires. Mazouya, comme disait Betty, que je viens mourir ici, pourquoi? Mazouya. Mazouya. Tu as détruit beaucoup de personnes dans ce combat. Des histoires de CUL. Je m'en suis mêlée. La malhonnêteté nous a même fait quoi à nous autres? Non, c'est toi qui parles. Sans te dire, je passe ton direct. Tu n'avais pas besoin. Je t'ai dit que moi, je suis une femme de pouvoir. Je t'ai dit ça. Tu es une femme de pouvoir. Je te l'ai dit. Menteuse comme une arracheuse de dents. Tu ne peux pas te mesurer avec moi. Est-ce que je me mesure avec toi, Christine Mirabel? Hier, tu étais en dessous des directs. Si tu veux voler de tes propres ailes, tu n'as pas besoin de me calomnier. Tu n'as pas besoin de me calomnier. Les nénés Diakité sont partis parce qu'elles voulaient que je parle comme leur groupe. Ils voulaient être des rédacteurs en chef. Ça veut dire qu'ils finissent de dire, va dire ci, va dire ça. Je leur ai dit que les gars, nous sommes arrivés en détail dans le combat. Vous êtes quoi, mes rédacteurs en chef? Oh, ma chère, nous n'avons pas à découvrir. Nous sommes dans un groupe. Ils ont décidé de partir. Qui les a retenus? Sandy Kalo. Maintenant, ce que j'ai détruit. Néné Diakité s'est assise ici dans mon salon-ci. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit, à part ceux qui étaient au courant. C'est cette même Néné Diakité qui allait dire dans leur groupe là-bas, quand ils cherchent des choses pour me démolir, celle qui allait dire là-bas qu'elle était à Lyon. Des choses, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est mon dicton. Ce qui se passe dans l'ombre reste dans l'ombre. Quand ça tourne court là-bas, vous voulez modifier l'histoire. Micheline Tchatchoua. Il y a une Amazon qui vient me dire que voilà mon problème. Je vous dis, dans mon Uber, je suis assise, ma chose, ça tombe. Vroom. Je suis restée comme ça. J'ai dit, hé, Azambe, le genre de choses que moi, pour commencer, je ne sais pas régler. Et je ne veux pas régler. Du moins, je ne veux pas faire la liaison. Je ne veux pas faire la liaison. L'affaire là est restée quasiment 10 mois dans mon ventre. Quand je dis 10 mois, même mes soeurs, Sylviane et tout, je n'ai pas dit à Sylviane du tout. Pourtant, Sylviane était au courant. Mais je ne lui ai, nous n'en avons jamais parlé. Quand une personne venait me voir, je disais que, oh non, 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 voilà, elle m'a dit ça, eBay, je n'ai pas à sortir l'affaire. Jusqu'à ce que la fille qui avait été bloquée par cette machine, tchatchoua,
finissent par, sur un direct chez Chasserie, raconter l'histoire. En disant même que je suis au courant. J'ai dit, voici la fille qui est venue me jeter en pâture. Les gens m'ont seulement regardé que Karine, tu es au courant depuis, tu n'as rien dit. Chasserie a dit, je vais traiter son fuck-up. Si c'est vrai, je vais traiter son fuck-up. En direct ici. Comme je ne lis pas souvent, j'ai seulement entendu, Karine était au courant. C'est Chasserie qui répète le commentaire de la dame, que Karine était au courant. Je prends le téléphone et dis que pardon, ne me tirez pas dessus. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ça s'est passé dans mon eBay. C'est pas sorti de là. J'en ai la chair de poule. C'est la Micheline Tchatchoua là qui raconte tout et n'importe quoi. Elle me diabolise. Oh, à cause de l'affaire Samy, je t'avais fait monter sur le direct. Je me souviens même pas de ce que tu as dit. Je me souviens même pas de ce que tu as dit. Ou tu l'as eu mauvaise là-bas ou quoi. Je suis devenue ta part de diable que tu traînes pas. Pardon. Oh, le cadre de téléphone de Karine. Oh, c'est nous qui avons tontiné. Mais maman, est-ce que c'est un mystère? J'ai ouvert le téléphone ici en public. J'ai ouvert ça ici en public. Disant que, mais, vous avez initié la tontine, je n'étais pas au courant. Une surprise. J'avais, on m'avait volé deux téléphones en 4 mois. Et ce n'est même pas toi qui initie cette tontine-là. Tu m'appelles pour me dire que, oh, tes soeurs ont, je dis merci, mais merci beaucoup. Jusqu'à sortir la marque. Ce téléphone venait de sortir. Le Note 20, s'il venait de sortir, regardez l'écart de prix entre le 10 dont vous parliez et le 20. J'ai dit mieux, j'attends. Moi-même, je rajoute de l'argent. 650 euros, si je ne m'abuse, j'avais reçu. Et ce note-ci coûtait largement plus de 650 euros. Le Note 20. Ça, c'est le Note 20 Ultra que j'ai. C'est le Note 20, ça. J'ai rajouté de l'argent. Tu m'as dit, oh, s'il n'y en a pas assez. Tu me dis, intérieurement, j'ai dit que c'est il y a beaucoup, ce que vous avez fait là. Moi-même, je vais compléter. J'achète le Note 20. Et j'ai ouvert ça ici en disant merci à mes soeurs. Que merci vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un secret? Vous voulez que je qualifie ça de quoi? C'est petit. Ma vie n'est pas un secret. Je me vante ici avec les cadeaux qui me sont faits. Au point de me traiter de... De quoi là? Elle m'a traité de quoi? Hein? De mendiante. Donc, nous devons avoir peur de ceux qui nous font des cadeaux. Ça veut dire que tu as 6 ans, on te dit, même pour ton anniversaire, pour Dieu, tu dis que non, je ne veux pas. Karine a détruit les gens. Donc, moi, je suis quoi? Votre souffre-douleur, je dois rester là, vous taper. Je dis amen. J'encaisse même déjà beaucoup. J'encaisse beaucoup. Néné et moi, nous sommes frités où? Nous sommes frités où? Hein? Parce que j'ai refusé d'être leur porte-parole. C'est devenu un drame. Chacun ne peut pas prendre son téléphone et faire ce qu'il a à faire. Est-ce que chacun ne peut pas... Une fille qui bavarde comme moi là, est-ce que quelque chose reste dans mon ventre? Tu me fais un cadeau et dis ici. C'est dans le cadre, c'est dans un cadre précis. Je dis ici. Maman, quand j'étais aux États-Unis, elle m'a offert un dop, une tunique et un chapeau. Il y avait une enveloppe dedans. Je n'ai pas vu. Je me suis vantée avec mon dop ici. J'étais comme un bébé, un enfant devant le dop là. Je vous ai raconté ce qui s'est passé ici, non? L'enveloppe est restée dans le sac cadeau. C'est au bout de 2 semaines, c'est à Noël, que ma Sylviane, en rangeant, en voulant jeter les... Ouvre comme ça, il y avait l'enveloppe dedans. Et elle m'a envoyé un message disant que, oh ma, il y avait une enveloppe dedans. 200 dollars. Je l'ai dit ici. En présentant mes excuses à Maureen, disant que, ouais, ma, je suis désolée. Moi, je suis une tête en l'air. J'ai vu, moi, mon cadeau. J'étais comme un bébé. Le reste, je n'aime même pas. Ce n'est pas un manque de respect, ma. Ne crois pas que ce soit un manque de respect. Non, c'est que déjà le dope, là, c'était... J'étais émerveillée devant le cadeau.
Dis même que le sac allait même vérifier. Oui, des fois, il peut avoir deux cadeaux. Non, moi, j'ai pris mon doc. J'ai mis sur moi. J'ai mis sur moi. Et c'est Micheline Tchatchoua là qui vient me traiter de mendiante. Maman, sans mendier. Sans mendier. J'ai assez dit non aux invitations. Oui. Si tu me dis maintenant, Karine, viens te payer le billet d'avion, je prends. Mes filles sont grandes aujourd'hui. Je peux voyager, oui. Donc, si une personne me dit, je te paye le billet, je prends ça avec les deux mains. Jusqu'à je me vante avec ici. Jusqu'à je me vante avec ici. Oui. Pour l'ensemble de mon œuvre. Pendant que vous vous diabolisez, oui, il y a d'autres personnes qui me disent, Karine, oui, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Je ne suis pas une personne irresponsable. Donc, quand je fais comprendre à Eton de Luxe que c'est moi, je lui dis que maman, prends tes responsabilités. Tu ne peux pas passer ton temps à me vilipender croyant que moi, je ne peux pas descendre aussi bas que toi. Oui. Et une menteuse patentée comme ça, oh, elle a affiché. Elle a affiché Eton de Luxe. Elle a un faux profil. J'ai besoin de faux profil. Est-ce que tu sais combien, via combien de pages je peux... Là, je suis sur une page pour lire ta vidéo. Hein. Christine Mirabel, je suis sur une page pour lire ta vidéo, puisque je t'ai bloqué hier. Je suis sur une page. Donc, toutes les pages. Voici, vous avez vu au-dessus là. Je peux entrer sur les directs avec toutes ces pages, donc bloquer toutes ces pages-ci. Vous avez vu, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 pages. Si je vais écouter un direct d'une personne qui m'a bloqué, il y a 10 pages. Rien que 10 pages. 10 pages. Et il y a des pages qui ont des profils. Il y a des pages qui ont des profils. Si Néné Diakité est là, Néné Diakité, tu viens d'arriver. Tu es entré chez moi ici. Pas une fois. J'ai dit à qui que toi et moi nous sommes vivants dans le cadre du combat. J'ai dit à qui. Une fois j'ai dû te chercher. J'ai dit à qui. Quand j'ai su ta position, même la personne qui m'avait appelé disant que je n'ai même pas rappelé la personne, j'ai été rassurée. J'ai dit à qui, vous qui aimez vilipender les gens là, Néné Diakité, tu es entré ici chez moi, pas qu'une fois. Tu as vu ma fille Kiara une fois, j'étais aux États-Unis. Tu avais pris des bijoux, tu venais donner l'argent. J'ai dit à qui, c'est toi-même qui as pris ta large bouche, tu allais raconter. Tu veux que je raconte le film? Pas à pas. Tu veux que je raconte? Vous qui aimez vilipender. Tu veux que je te traumatise un tout petit peu? Comme les gens aiment le japap. Ah, ça va être un sacré japap. Néné Diakité, si elle est bloquée ici, débloquez-la qu'elle commente. Parce que quand tu ponges ton poste là, tu parles des combattants de l'ombre. Il y en a qui ont été exposés ici. Tu as fait quoi? Tu as pleuré pour leur sort. Maureen, si, ici, a été exposée. Sa petite soeur a été exposée ici. Adresse. L'adresse avec. L'adresse avec. Comme vous êtes des totos là. Je fais comprendre des tonnes de luxe que maman, tu n'as pas à me vilipender. Tu es dans l'ombre. Et tu es dans l'ombre parce que moi, je suis dans la lumière. C'est moi qui fais cette ombre là. C'est moi qui te protège. Pas les bêtises que la chose à articuler s'y raconte. Oui, Eton de Luxe, c'est une personne qu'il faut protéger contre elle-même. Et c'est encore votre chose de Mirabel qui vient dire ici qu'elle était en compagnie de tel à tel endroit. Et quand ça va sortir, vous allez mettre ça sur ma tête. Néné Diakité, tu étais chez moi, j'ai raconté. Tu veux que je raconte ce que moi j'ai vu et qui ne me concerne pas. Néné Diakité, moi, elle verse ici. Je ne vais pas entrer dans les eBay.
Tu veux que je raconte ce que j'ai vu? Tu veux que je raconte ta vie? Je ne vais rien inventer. Est-ce que tu veux que je raconte ta vie, Néné Diakité? Toi qui es entré ici, nous avons parlé de tout et de rien. Et toi, quand tu vas ouvrir ta bouche quelque part, ou tu ne te souviens pas, ou quoi, tu te crois obligé d'inventer un certain nombre de choses. Néné Diakité, moi, si là, une tombe. Une tombe, Néné Diakité. Dans le combat, nous étions trois, à savoir que tu savais même où, Seigneur, que tu avais même mon adresse. Nous étions trois. D'être coloniale, toi et moi, trois. Je dis bien trois, nous étions trois. Jusqu'à ce que j'apprenne que tu es allé raconter que tu étais à Lyon, que les gens sont au courant depuis que nous nous sommes vus. La chair de poule m'a envahi. J'ai dit, hé, hey, Karine, toi, tu es vraiment Don Quichotte de la Mancha. Tu passes ton temps à lutter contre les moulins à vent. Donc, pendant que tu es là, tu dis que, oh, il faut qu'ils restent dans l'ombre. Ils sont là, eux, ils versent dehors. Quand ça cuit, c'est moi que vous voulez mettre au devant de la scène. Adama. Et tu n'es pas la seule à jouer à ça. Tu n'es pas la seule. Celui de Djal, mon ex-neveu, lui, je ne veux même pas porter son dossier. Celui de Djal, du jour au lendemain, je suis la fille à diaboliser. Vous n'avez jamais le courage de me dire que, oh, 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 non, vous disparaissez et mon nom devient votre tabac chiqué. Celui de Djal, vous voulez que j'ouvre mon ventre? Est-ce que vous voulez que j'ouvre mon ventre? Lisa Roca, tu veux que j'ouvre mon ventre? Est-ce que tu veux que j'ouvre mon ventre? Hein, Lisa Roca. Oh, vous qui machin là, elle va vous exposer. Elle a besoin de vous exposer. Vous êtes vos propres ennemis. Est-ce que j'ai besoin de vous exposer? Néné, tu veux que j'ouvre ma bouche? Tu veux que je dise ce que mes deux yeux ont vu, qui ne me concerne pas. Je ne suis pas dans le jugement. Moi, si assise ici, comme je me suis assise sur l'histoire de Micheline Tchatchoua, c'est comme ça que je me suis assise sur un certain nombre de choses. La vie, ce n'est pas le Congo, ça. Quand je raconte quelque chose ici, ce n'est pas de l'ordre du secret. Néné Diakité, tu veux que j'ouvre ma bouche? Quand toi-même là, dans ta position, tu décides de me vilipender, maman, c'est parce que tu sais que moi, je ne vais pas parler. C'est parce que tu en as la certitude. Ce que j'ai fait, c'est un rappel à l'ordre. C'est ce qu'on appelle l'art de la guerre. C'était un rappel à l'ordre. J'ai dit à la chose des tonnes de luxe que la mère, tu as dit que tu partais, reste tranquille. Je ne suis pas ta brosse à dents. Ne me vilipende pas. Tu es une grande fille. Tu as décidé de, non, dans la paix du Seigneur, demander à cette chose-là si, nous, j'ai une photo d'elle. J'ai une photo d'elle. Est-ce que j'ai une photo d'elle? Je vous ai dit que je mets un point d'honneur à ne pas associer des noms aux faux profils. Il y en a à qui j'ai envoyé des colis ici. À Choué Makanda. Qui m'ont donné leur adresse via leur compte Facebook. Je n'ai pas fait d'association. Je n'ai, parce que mon cerveau est compartimenté. Quand elle ne veut pas enregistrer, elle n'enregistre pas. Elle ne veut pas faire d'association, ça devient comme une date de l'histoire. Ça ne reste pas dans ma tête. Vous voulez que je vous diabolise? Vous voulez que je fasse quoi avec un listing de personnes qui ont tontiné? Vous voulez que je fasse quoi avec? Est-ce que vous savez même que les personnes qui tontinent ne sont pas sur Facebook? Vous voulez que je fasse quoi avec? Vendre le combat. On vous a dit que le combat est à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que j'irais donner la liste des personnes qui ont tontiné? Là où on donne même les listes là, vous êtes là, vous faites chute. Vous faites chute. Vous voulez que j'aille, fasse quoi avec la liste là?
Les gars, vous savez comment ça apparaît chez nous, les listes là. Vous voulez comment ça, vous voulez savoir comment ça apparaît. J'ai pas de données bancaires. Vous voulez que vous dise comment ça apparaît. On ne peut rien foutre avec. Et ça n'a aucun sens. Il y a même des homonymes versés ici dehors. Vous voulez qu'on foute quoi avec? Je suis une personne intelligente. Ne vous associez pas aux combattants de l'ombre. Vous n'êtes pas des combattants de l'ombre. Vous êtes seulement dans les groupes pour faire les Congo ça. Vous voulez juste savoir ce qui se passe dans le combat, c'est tout. Vous n'êtes pas des combattants de l'ombre. Les combattants de l'ombre font des choses dont nous ne sommes pas au courant. Et nous n'avons pas à être au courant. Néné Diakité, tu veux que j'ouvre ma bouche? Pardon, libérez-la de prison. Qu'elle me réponde ici. Néné Diakité, tu veux que j'ouvre ma bouche? Il faut avoir pitié de vous-même. Hein. Il faut avoir pitié de vous-même. Quand la chose a désarticulé de Mirabelle a dit que, oh, ouais, tu veux ma chair, ton combat est terminé. Moi, si, ma part de combat. Ma part est dans l'histoire de France. Ça veut dire que tu, ministère de l'Intérieur, t'as mon nom. Tu as les alertes partout. Kikong, kikong, kikong. C'est ça mon combat. Une personne qu'on écoute. Christine Mirabel, qui va t'écouter toi? Que ce soit étudié. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit en Bengon, m'écoute. La lutte que je mène là va profiter à tes enfants, va même profiter à ta pauvre carcasse. La lutte que je mène là. Comme tu chies dans ta propre maison. Tu es arrivé ici, tu avais quel âge? Tu fais partie de ces ingrats-là. Ah, comment on peut lutter pour le Cameroun et défendre la France? Tu connais l'histoire de France. Tu connais même l'histoire du Cameroun. Mbè Doumsa. Biombi ma vie. Doumbi Kion. Tiambipina. Tu connais l'histoire de France. Tu connais l'histoire du Cameroun. Tu viens là. Ben, 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 France Afrique, France Afrique. Tu sais de quoi tu parles. Oh, quand je vais te bâcher ici, je vais biper les influenceuses. Quand je m'adresse à Fleur de Lys ici, elle parle avec de l'eau dans la bouche. Mais l'abnamadio numri, comme on dit en Goumba, est-ce que je parle avec de l'eau dans la bouche? Je la cite, je dis ce que j'ai à dire. Toi, pour faire le bashing, tu as besoin de les biper. Moi, les bip ici, non. Je leur dis. Donc, tu penses qu'ils ont ou elles ont besoin de toi pour me répéter, Fleur de Lys. Fleur de Lys a dit que moi elle l'aime pas. Donc elle a dit qu'elle me gêne pas. Moi je ne l'aime pas. Je lui ai dit que Mugomba, c'est pas une histoire de je ne t'aime pas. J'ai seulement décidé que tu étais mon souffle-douleur, c'est tout. Tu vas biper ceci. Tu vas biper les panafricains. Tu vas biper les blogueurs. Tu vas voir qui? Karine Tremblay. Moi si. Mbè Doumbi qui ont l'oc de même zéro là une valeur. Sûr. Hein, toi là, qui dis l'azieux, tu dis la diplôme, et tu n'es pas d'expression anglaise. Tu es arrivé si tu étais jeune. Il y a des formations pour adultes versées dehors. Partisante du moindre effort, Wazuyaino, tu viens ouvrir la bouche devant qui? Tu décrètes que je sors du combat. Moi, Bibian, bien enraciné ici là. Bien enraciné, moi qui déclenche les alertes partout. La famille, c'était juste un petit rappel à la loi. Un petit rappel. Christine Mirabel, je vais cet homme de luxe ici dehors, rien ne va faire pour l'ensemble de son œuvre. Néné Diakité, toi, tu n'es pas dans mes petits papiers. Tu es parti là depuis, te gère pas. Est-ce que te gère? Tu as mon nom dans la bouche ou quoi? Tu as le macabre, oui, bois de l'acide, fais descendre la bêtise. C'est quoi? Chagrin d'amour. C'est quoi ce chagrin d'amour qui dure aussi longtemps? C'est quoi ce chagrin d'amour qui dure aussi longtemps? J'ai dit que je ne suis pas votre parole, ça s'arrête comme ça. Tu as une bouche, non? Lancez des directs par tous les diables. Je fais quoi dans? Je suis quoi? L'autre de Lisa Roca, là, c'est comme je ne sais pas quoi. Hein? Je fais quoi dans vos bouches? Les djal et tout ça, les banjè. Je fais quoi dans vos bouches? Activez! Parce que moi, je suis assise là depuis, je ne vois rien. Hein? Je ne vois rien. Occupez de l'espace. Occupez de l'espace. Occupez.
Il vous manque 5 ans au contrôleur, les gars. Et 100 000 abonnés. Au boulot. Les Wakamer, Révolution, je ne sais pas quoi. Il vous manque 100 000 abonnés au compteur et 5 ans. Pédalez, dis donc. Nous avons commencé ici, nous étions 2, 3, 4, 5. Le jour, la première fois, nous avons fait 50 ici, mais c'était la fête. C'était la fête. Là où on m'écoute, je dis bien que là où on m'écoute, mettez-vous ça bien profond dans le cerveau. Pas ceux qui disent qu'on m'écoute à étudier. On m'écoute à étudier. Au ministère de l'Intérieur ici, je suis écoutée. Je suis écoutée. La France m'écoute, le Cameroun m'écoute. Je suis une passerelle. Pas les... Hein? Une chose qui ne sait même pas quel mot est féminin, quel mot est singulier. Wazuyagne. Bifou, fou, chua. La beauté. Oh, le yaourt. Tout ça se mélange. Tu viens parler de yaourt ici. Les choses qui sont versées dans le supermarché, là, tu fais tes courses, tu ne sais même pas quelle marque tu prends parce que le goût te plaît. C'est le goût qui te fait acheter un yaourt. Tu parles de marque de yaourt. En vrai. Donc, quand je suis assise ici, vous regardez la marque de ce que je mange. C'est juste que tu connais la marque de mon four à micro-ondes que moi-même, je ne connais pas. Oui, mon four à micro-ondes, je suis sûr que tu connais la marque. Tu ziotes, vous ziotez. Des choses sans importance. Ici, en Beng, tu me parles de vêtements. Tu me parles de nourriture ici. Moi qui ai même souvent la flemme de manger, je fais des... Vous avez vu que ce matin, je suis en mode pizza. Je n'ai pas terminé la pizza hier. Tu parles de nourriture dans cette maison. Nabi Djoubinoum, comme disait ma mère, que tu travailles, tu ne peux pas manger ne serait-ce que la nourriture de la bouche. Hein? À moi, Bibian. Si est Bibian. C'est à moi que tu parles de nourriture en vrai. Moi qui ai même la... moi qui ai même la paresse de manger. C'est à moi que tu t'adresses. Que des fois, j'ouvre mon frigo, je ne sais même pas quoi, je ferme les bêtises. Des fois, je ne fais même pas les courses. C'est comme ça. Les filles sont grandes. Elles veulent manger, tu vois seulement les Uber qui passent. Les Uber qui passent. Hein? La bêtise. C'était un rappel à la loi. Maintenant, si vous voulez courir partout là-bas avec mon nom, je vous ai juste posé la question de savoir. Je demande à Djal Bokal qui tire les ficelles là-bas comme il sait bien le faire. Mais il a compris que moi, je ne suis pas une idiote. Hein, Djal, tu as bien compris que je ne suis pas une idiote. Eh oui. Et ma mère n'est pas un jouet. C'est comme ça que je fonctionne. Tout est cloisonné. Oh, il dit que non, non. Ma mère est une grande fille. Il dit que voilà ma mère. Tu veux parler à ma mère. Voilà ma, vous, je ne vous gère pas là-bas. Et tu n'es pas le seul. Quand quelqu'un me dit, si je vraiment, j'aimerais dire merci et tout, vraiment, la personne qui t'a mise au monde dit que tu veux parler à la matière, c'est la mère de l'humanité. Elle est posée là-bas. Voilà son numéro de téléphone, gérer les bêtises. Et quand elle m'appelle pour me dire, elle dit, ok, c'est bien, moi, c'est bien. Ça s'arrête là. Est-ce que c'est assez clair? Donc, Djal Bokal, tu veux que j'ouvre ton dossier? Est-ce que tu veux que j'ouvre ton dossier? Néné Djakité, eh Seigneur. Mieux encore le dossier des tonnes de luxe. Quoique, non, même pour elle, là, c'est du lourd. Vous, les trois, là, rien que les trois, là, vous pouvez servir d'exemple. Et rien ne va faire. Je redis que rien ne va faire. Pas la chose désarticulée, là, qui dit que vraiment, hein, elle va vous exposer. Vous êtes du même acabit. Quand tu dis là que oh, les gens qui ont ton direct, tu peux même t'adresser à ces personnes-là. Quand je vais même sur ton direct, tu as posé la bêtise, là. Et ton direct là, il y a combien de personnes qui ont regardé ta bêtise là? Baza, baza. Le qui? Hein? La portée. Portée de la bêtise. Log de 1. Fois log de 1. Égale log de 1. Quand tu poses ta bêtise là, tu dis que oui, machin, machin. Hein? Vous qui machin là, elle va vous exposer. Je mesure toujours le risque. Je vous ai dit, quitte à saborder ma propre démarche, je joue aux échecs, je ne sais pas où vous allez sortir. Il faut écouter, je parle français. Quand je disais, quitte à saborder ma propre démarche,
Il fallait que je mesure le risque. Eh ben, elle a publié. Elle a qu'elle publié. On publie ce qu'il y a publié. On partage. C'est pas vous qui avez créé Facebook. Dans la chose, elle a dit, oh, je t'ai débloqué, je t'amène où? 1300 vues. Et encore 1300 vues de... Je sais même pas combien de personnes ont écouté de la bêtise entièrement. 1300 vues. 81 partages. Portée de la chose. Il y en a qui ne sont pas ici. C'est moi qui ai les données. Il y en a qui ne sont pas ici sur Facebook. Qui écoutent via d'autres canaux. Donc quand tu es là, tu fais déjà chanter. Oui, mais vraiment, Karine. Hein? Oh, papa, papa, ah, baba, baba. Et tu prononces mon nom. Prononce mon nom, ne dis pas l'Amazon de machin, machin. Je réponds parce que j'en ai envie, pas parce que tu as de l'impact. Question de te donner une leçon. Question de te donner une leçon. Ce sont des histoires de CUL qui ont fait à ce que vous partiez. Dans votre tête, là, votre tête Pamela. Vous êtes en train de Wassandolo. Moi, je ne suis pas là pour Wassandolo. Hein. Ce sont des histoires de fesses qui vous font partir. Parce que vous êtes convaincu que vous êtes vos gars ou je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas à quel carrefour vous vivez. Hein? Ma chère Mirabelle, là, pardon, excuse-moi. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Hein? Du tout, du tout. Et moi, je ne cache pas les choses. J'ai toujours dit, même ici en direct, j'ai toujours dit que j'appelle la seule personne que me permet d'appeler à 3 h du matin. Et on tape les divers. Il n'y a rien de tordu dedans. Donc, si ta tête à Pamela, c'est ton problème. Si tu ne sais pas gérer ta vie personnelle, c'est ton problème. Je suis ta mère. Je suis ta grande soeur de loin. Et tu trembles devant moi. Hein? Tu trembles devant moi. Tu veux faire quoi? Avec. Non, il faut gérer ton cœur. Moi, je ne suis pas là-dedans. Non. Mes soeurs savent que le jour où même j'aime un petit plan avec mon. Hein? Je dis ici, je dis que hey, les filles, je suis dans le bruit. Je dis ici que je suis dans le bruit, pas ici en direct, mais dans le groupe, là-bas, je dis aux filles que ce week-end, hein, ça va être chaud à Bagdad. Ça va être chaud à Bagdad. J'ai une vie rangée. J'ai une vie rangée. Ma fille, tu me dis à ma fille ici que ta mère, on vient rendre visite à ta mère à 20 h, elle dit à quelle heure? Pour faire quoi? Authentique. Réponse spontanée. Ah, ta maman, elle s'est apprêtée. Il y a une personne qui vient lui rendre visite. Ma mère, ma fille s'est retournée comme ça. Elle a dit, à cette heure-ci, pour faire quoi? La personne a dit, mais pour apporter les fleurs à ta mère. Ma fille lui a dit, c'est ça. Voyons. Question à vous dire qu'ici, là, vraiment, c'est une monotonie à couper au couteau. Il y a des choses ici. Quand on te trouve dans le salon, sans te regarder comme ça, donc tu sors, tu fais quoi ici? Pas parce qu'elles sont jalouses, mais parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Hein? Donc les filles, ce sont des histoires de CUL qui vous font partie des groupes. Ce ne sont pas des histoires de combat. Que ce soit entendu, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça ne sert à rien. La lutte n'est pas le japap. Nous faisons le japap dans les groupes. Ici, là, où de temps en temps, il faut détendre la notion. Mais ce sont des histoires de CUL qui vous font sortir des groupes. Ce ne sont pas des histoires de combat. L'affaire Samy Lenoir était seulement un alibi. Enquête annuelle de satisfaction de quoi? C'est qui ça? Ah ouais, c'est mon bailleur. Hein? Donc il faut arrêter, calmez-vous. Si vous voulez faire vos bêtises, allez-y. Moi, je vous arrête pas, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi. Hein? Mais dites-vous que il y en a parmi vous là qui ont des dossiers assez lourds. Assez lourd. Et ils le font parce qu'ils ont la certitude que moi, je ne vais pas les balancer. Demandez à Tatua. Je me suis assise sur ça. C'est sûr que beaucoup de personnes disent que, ouais, Karine, vraiment, hein, tu protèges certaines personnes et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on vient se confier à moi, je n'ouvre pas la bouche. Néné Diakité, les gens n'étaient pas censés être au courant du fait que toi et moi, nous étions déjà vus, que tu étais ici. Les gens n'étaient pas censés savoir. C'est pour te protéger, toi. Parce qu'on ne sait jamais. Nous autres, là, sommes écoutés. Il y en a qui peuvent venir nous ramasser ici, commencer à nous torturer pour que certaines personnes, certaines choses sortent. Et c'est pour cela que j'ai cloisonné mon cerveau.
Pas parce que je suis meilleure, pas parce que moi aussi j'ai pas envie de taper les... Non, c'est pour ne pas être dangereux pour vous. Que vous en soyez conscient ou pas. Que vous en soyez conscient ou pas. Et l'autre imbécile de retour de luxe, elle n'a pas compris ça. Ou du moins, elle a, ça a du mal à entrer dans sa tête. C'est une personne qu'il faut protéger contre elle-même. Contre elle-même. Donc, quand elle organise le genre là, elle compte sur quoi? Sur le fait que moi, je suis quelqu'un de sensé. Et il y a des moments où j'en ai marre que des personnes complètement alambiquées passent leur temps à faire des bêtises en comptant sur la bonne tenue des personnes sensées. Soyons sérieux. Une toto qui ne comprend rien. Je parle pourtant français par tous les diables. Bonjour, Manga Liberté, comment vas-tu? Tu as fait le reproche à Georgette d'avoir fait monter Kamoa, d'avoir présenté ses excuses à Kamoa. Et tu vas fricoter avec Justine Boucan. À l'autre bout de la chaîne, qu'est-ce qu'on a entendu? Elle a dit que je sors avec Kamoa la Panthère. Les gars, il y a un sacré delta entre l'entrée et la sortie de l'information. Il y a une sacrée delta, tu restes comme ça, tu dis que tu rembobines. Tu entends sortir de ta bouche la même chose, tu dis hey, le problème, c'est le récepteur, auteur. Ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur le problème. Vous voulez que je parle quelle langue? Vous voulez que je parle très mal les langues bêtises, je les mélange toutes. Vous voulez que je fasse en Gumba? Combien d'entre vous comprennent Gumba? Combien d'entre vous comprenez Gumba? C'est même ce que je dois dire. Vous êtes combien à comprendre Gumba? Maintenant que j'ai déposé ceci, vous pouvez continuer à vilipender. Le chien ne change jamais sa position de s'asseoir, mais que toutes ces personnes-là entendent, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Vous êtes sortis du moins, vous avez quitté des groupes à cause des histoires de CUL. Ça n'a jamais rien eu à voir avec le combat. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Mirabel profite seulement de la pluie pour chier dans le torrent. Elle peut faire quoi dans le cadre du combat? Elle peut faire quoi? Qu'elle essaie de sensibiliser, je vois. Sans nous tourner un petit film classé X. Ah ouais, c'est limite si. Ah ouais, c'est toujours pour ça qu'elle est en train de parler de petites culottes remplies de liquide. Parce que sûrement qu'elle-même, en faisant, elle est en train de s'imaginer, en train de s'être. Ou elle est sur comment on appelle, une bicyclette sans selle. OTS. Oh, ah ouais. Quoi? Tu vis pas à Paris, tu veux whiteiser en mode parigo, tête de veau, parisien, tête de chien. Et c'est moi qui ai la culotte remplie de liquide. Ah ouais, ah bah ouais. Électrochoc. Et c'est moi qui suis. Non, c'est celui qui dit qui est. Tu m'as déjà vu m'asseoir ici en mode. Durement marié, c'est. Il faut demander à celles qui ont eu l'intention de, oui, propriété exclusive. Ce sont mes garçons, je me les tape si j'en ai envie. C'est comme ça. Durement. Bon, mon calibré est encore célibataire, mais c'est qu'il ne peut pas présenter à sa mère n'importe combien, n'importe la qui. Et encore moins n'importe la combien.
Mais en ce qui concerne mon Maxo, hey, Azambe, l'amour qu'il y a là-bas. Vous avez vu l'amour circuler dans les veines de quelqu'un. Hop, 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 hop. Hey! Ce qui est en cours de téléchargement là. Ha! Qui va? Ouais, passe Noël avec mon Maxo. Hein. Dans les jaloux là. Je vous le dis. Je passe Noël avec mon Maxo. Oui. Et ma coépouse. C'est comme ça que je l'appelle. Je passe Noël avec ma coépouse et mon Maxo. Nam Piangalan. S'ils ne sont pas à la maison à Noël, ce sera le nouvel an. Piangalan. Donc, les ultimatums à 2 francs 6 sous là, c'est pour vous là-bas. Le cœur de ma coépouse ne tremble pas. Mais alors, d'où Jésus, ne tremble, mais alors pas du tout. Pas vos bêtises que vous racontez là. Bonjour Mariette. Son cœur ne tremblera jamais. Hein? Vous avez... Qui n'a pas essayé de faire quoi? Qui n'a pas essayé? Qui n'a pas essayé de semer la mauvaise graine là? Oh oui, Max a fait ceci. Il y a une fille qui a dit que... Qui a dit que... Pas vous qui dites que ce que Dieu a fait, personne ne peut défaire. Dure sûrement, Marie. Dure sûrement. Oui. Vous ne saviez pas que je l'appelais ma co-épouse. Elle dit que ma co, c'est pas ma co-ta, hein, c'est ma co-épouse. Je suis la reine mère. Je suis la première épouse de Max. Oui. Oui, 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 oui. Pendant que certaines personnes cherchaient là qui était. Et pendant que certaines, il fallait venir me demander, j'allais vous dire. J'allais vous dire. Oui, il y en a qui ont cherché l'info longtemps. Et ces personnes-là, depuis qu'elles savent, et Calibri, nous avons dit à Calibri qu'il faut qu'il se marie, qu'il nous laisse des ordres là. Hein? Tic-tac. Ses frères et moi lui avons dit que tu dois te marier, c'est bon là, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, le gars a la pression. Tu viens parler de quoi? Des histoires de famille. Famille affaire. C'est de ça que tu viens parler, des histoires de famille. Hein? Nous sommes une famille. Pas les Bakoba Jonah. Je vous le dis. Je vous le dis. Pas les oh bébé, 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 bébé. Hein? N'est-ce pas, tu dis oh, la mère, mais tu qui? Moi, Bibian. Bonjour, ma tontinante Marcel. Moi, Bibian. Et même si, en quoi ça te regarderait? Même si elle dit demain que mon calibre, il cherche comme ça, il dit Kaka, mon gars, mon frère, viens là, on conclut les bêtises. Tu vas faire quoi? En quoi tu seras concerné? Nous n'allons même pas marcher 300 mètres pour nous marier là à la mairie. Vous parlez de quoi? Est-ce que ce sont des histoires mystérieuses? Ce sont les histoires de Patrick Guémandon. Ou c'était Patrice ou Patrick Guémandon? Est-ce que ce sont des histoires de l'aventure ambiguë? Non, c'est pas l'aventure ambiguë, c'est l'aventure mystérieuse, c'est ça. Ambiguë, c'est Cheikh Hamidou Kanon. Ouais, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je ne suis plus noté sur ça. Il doit devenir polygame, mais je serai toujours la première épouse. Toujours. Hein? Toujours. Pour mes fils, là, je serai toujours la première épouse. Ça vous dérange en quoi? Ce que nous vivons, ceci de merveilleux, que ça a permis à un certain nombre de Camerounais de se rencontrer. Nous n'étions pas censés nous rencontrer. Oui, ça nous a permis de nous rencontrer. Et nous avons fait de très belles rencontres. De belles personnes. C'est ça qui compense. De Mbangos. C'est ça qui compense. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont siphonnés. Mais nous avons fait de très, très belles rencontres. Vous voyez, José Neda, là, il y en a qui nous confondent. Pourtant, je suis beaucoup plus âgée qu'elle. Mais il y en a qui se trompent de photos, hein. Il y en a qui se trompent de photos, qui sont convaincus que sur le profil de Josiane, c'est ma photo. Nous avons fait de très, très belles rencontres. Et ça, vous ne pouvez pas le détruire. Pas du tout. Quand nous sommes dans ce groupe-là où nous discutons, nous parlons sans... Des fois même, nous rendons compte que nous avons passé 24 heures là. Oui, il y en a qui sont allés se coucher, d'autres sont restés et nous nous soutenons les uns les autres. Mais les gars... Soleil comme, mais il y a, ouais.
Non, il ne faut pas raconter. Je ne suis pas une personne cachée. J'ai grandi dans une petite ville. Vous voulez ça, connaître ma vie à aider, mais vous n'allez rien trouver là-bas. Rien de croustillant. Là, c'est comme ça. J'ai une fille vie fadasse. Bon, pas complètement fadasse. Hein? À 95%, ma vie est fadasse. Vous cherchez quoi dans la vie des gens? Vous cherchez quoi dans les vies des gens quand les vôtres là-même sont terribles? Ah, merci beaucoup, ma. As-tu dans le train? Ah, être mamie, hein? Être mamie. Oh, moi, c'est pas demain que ça va arriver. C'est quoi que ma Lulu là, elle ne semble pas vouloir un jour se poser. Elle dit qu'elle va réfléchir sur le fait, hein, d'avoir des enfants ou pas. Qu'elle va réfléchir. J'ai dit, Yako, moi, je n'avais pas réfléchi. Hein. J'ai eu ma première fille à 27 ans et je ne pense pas avoir réfléchi. Bon, bref. Là, ce coup-là, je n'avais pas fait de business plan. Donc, la famille, c'était juste un rappel à l'ordre. Vos bêtises que vous faites là, c'était pour faire comprendre, comme vous n'avez pas de cervelle, c'était pour faire comprendre à Eton de Luxe qu'elle n'a pas utilisé mon nom, hein, pour justifier un certain nombre de bêtises. Elle est dans l'ombre, moi je suis dans la lumière. Hein, qu'elle y reste. Parce que si je voulais, oui, et je pourrais le faire sans aucune conséquence, du moins. Chez moi, il y en a qui vont pas apprécier, oui, ben, ce ne sera pas la première fois. Moi, je suis une tête brûlée. Mais est-ce que elle, elle peut assumer mon retour? Non. Donc, elle vive sa vie. Maintenant, celle de Christine Mirabel, là, Toto qui ne comprend rien, hein, a décidé d'acheter le problème. Tu achètes le problème. La mère, n'achète pas le problème. Toi, je te verse dehors sans vergogne, c'est que bof. Il y a des histoires qui n'en valent pas la peine. Donc, te verse dehors. Toi, tu n'es pas un faux profil. Hein. Te verse dehors, proprement. Donc, ne joue pas ce jeu-là avec moi. Tu n'arrives déjà pas à articuler une seule phrase. Tu n'arrives pas. Et tu viens t'adresser à moi. Va à l'école soulave, maman. Va te former. Même moi qui ai des problèmes de diction, qui ai des problèmes musculaires et tout, ne bousille pas l'orthographe comme toi. Tu viens de t'adresser à qui? L'école est bien. Et ce n'est pas de ma faute si toi, tu n'as pas. J'ai une fille lourdement dyslexique. Ça ne veut rien dire, hein, être dyslexique. Tu peux compenser. Il y a des orthophonistes. Einstein était dyslexique. Et il a marqué l'histoire. Donc, il faut nous laisser les histoires de fainéantise là. Voilà, c'est parce que tu es une partisane du moindre effort. Une loque de un qui veut venir parler. Qui veut venir parler aux chiffres qui arrivent après. Tu n'as d'existence que parce que d'autres chiffres sont accolés à toi. C'est tout. Dès lors que tu te sépares des chiffres 1 jusqu'à 9, tu deviens ce que tu es. Zéro. Tu peux pleurer autant que tu veux, ça ne va rien changer. Et mon combat ne dépend pas de toi. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Nous sommes écoutés. Nous sommes entendus. Et c'est ça qui est ça. La lutte, ce n'est pas la propagande à 6 francs, 6 sous. La lutte, ce n'est pas dire que oh, tu vas taper, tu vas tuer. Non. Nous sommes assez intelligents pour nous faire entendre sans dire que nous allons tuer, sans dire que nous allons déclencher des guerres, sans dire que, hein. Et c'est ça qui est ça. Vous voulez aller demander pardon à XY, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous voulez que ça, moi, on vous a dit que mes nichons, si je veux les mesurer à, non, j'en ai rien à foutre. C'est pas à ceux de la diaspora que je m'adresse. Je vous l'ai souvent dit que je m'adresse aux 237, mais je ne m'adresse pas aux enfants de la diaspora. Du tout, du tout. Le combat, c'est aux 237. Dans le jour, j'ai dit que je m'adresse à ceux qui n'ont pas S sur le fichier. Christine Mirabel, si tu peux déclencher le S, hein, tu peux déclencher un S à poser sur ton fichier. Vas-y. C'est après ça que je vais commencer à m'intéresser à ta démarche. Voilà. Bonne journée à toi, Mr. Victor.
Seule la lutte libère. La seule lutte au Cameroun, c'est chez les Amba. Nous autres, là, n'avons même pas encore commencé. Et ça va cuire. Ça va très mal cuire. Hein? Et ton machin, chouette Christine Mirabel, là, ça va très, très, très mal cuire. Oui. Ça mitonne de partout. Il y en a qui ramènent des histoires de fesses. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos histoires de fesses, dis donc? Vous savez avec qui moi je grimpe au rideau? Est-ce que vous savez avec qui je grimpe au rideau? Non. On n'a pas à gérer vos histoires de fesses, dis donc. On n'a pas à gérer. Nous avons un pays qui se désagrège un peu plus tous les jours. Nous perdons des personnes, des êtres humains à vitesse grand V. Vous venez me raconter vos histoires de « Oh, il faut laisser les garçons. Ouais, ben, on t'a dit que les garçons sont prisonniers. » Ils ne sont pas prisonniers. Il y en a là, vous ne pouvez pas. Je vous dis que vous ne pouvez. Eh, Seigneur. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut se mettre entre mon Maxo et moi, entre mon Calibre et moi. Personne. Là où je suis. Là, ça, les deux là, hein. J'ai deux mains, non. J'ai deux mains. Personne ne peut se mettre entre les deux. Et pourtant, ils se fâchent souvent contre moi. Mon fils Calibri m'a dit, ne veux pas te répondre. Oui, oui, je sais que là, il va me voler dans les plumes. Max, lui, ne gère pas, il n'est même pas au courant. Max n'est pas au courant, là, alors oubliez. Max n'a pas que ça à foutre. Max n'est pas au courant. Mais Calibri m'a appelé pour dire, pardon, ma mère, est-ce que c'est que je cache, il y a des, c'est dans le cadre du combat, non? Calibri m'a dit de ne pas vous répondre. Donc, si elle ne répond pas, ce n'est pas parce que non. Mais là, c'est un rappel à l'ordre. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, Seigneur. Oh là là. Oh là là. Ah, le pays là, je vous jure. Et puis nous avons des perdus qui viennent nous casser les oreilles ici. Oh là là, c'est pas possible. Ça vient de me... Ah, je te dis que mon fils a dit de ne pas te gérer. Oui, ma mère, bonjour, comment tu vas? Je suis un peu angoissé là parce que... Où est ça? La genou. Je te lui demande, je te demande pardon pour elle, leur pompe, maman. Vous avez entendu? C'est Calibri. Et si je ne vous vole pas plus que ça dans les plumes, c'est parce que Calibri, ça touche Calibri. Parce que ça touche Calibri, pas les bacs Bajona. Est-ce que vous entendez sa voix? Vous avez l'impression qu'il est en train de jouer. Coucou, ma mère, bonsoir, comment tu vas? Ma mère, je viens vers toi faire une doléance. Je me mets à genoux, je te demande pardon. Arrête de répondre à ces filles-là, s'il te plaît, ma mère. Arrête. Arrête de la reprendre. Ça ne vaut pas la peine. S'il te plaît. Je me mets vraiment à genoux. Je te le demande, je te demande pardon pour elle. La reprendre plus, maman. Voilà. Donc, c'est un rappel à l'ordre. Je vous pose la question de savoir si vous voulez que ceux à qui vous vous adressez là connaissent l'histoire. Parce que c'est vous qui déclenchez. Hein. Et vous comptez sur mon sens des responsabilités pour ne pas vous verser dehors. Moi, je me dois de rétablir un certain nombre de choses. Je ne suis pas votre victime. Je ne suis pas votre souffre-douleur. Quand Calibri sort comme ça, je me dois de lever le pied. Parce que lui aussi souffre. Il se retrouve... C'est comme si il se retrouvait entre le comment on appelle le marteau et l'enclume. Oui, parce qu'il pense au combat.
Mais je suis un être humain, moi aussi. Ras-le-bol, la folie de certains. Ras-le-bol de la folie de certains. C'est... Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Je suis têtu, mais lui, ma têtutesse a des limites. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ce genre de sortie. C'est juste pour vous demander d'être responsable de temps à autre. Mignoncité, tu veux vraiment qu'elle te bloque? Ou tu as juste développé, tu as décidé de tester mes limites? Tu veux vraiment que je te bloque? Est-ce que tu veux que je te bloque? Pose encore ce genre de commentaires, je t'envoie à la poubelle. Pose encore ce genre de commentaires, je t'envoie à la poubelle. Quel secret? Tu parles de quel? Vous parlez, vous voyez des secrets partout. Est-ce que vous voyez des secrets partout? Tu vois quel secret? Il a peur que quel secret ne sorte. Il a déjà fait quelque chose avec toi pour que tu aies la certitude qu'il a des secrets. Quel secret? Et quel secret? Que lui et moi, nous sommes envoyés en l'air. Même si c'était le cas, en quoi ça vous concernerait? Ça vous concernerait en quoi? C'est quoi ce peuple dont les histoires ne tournent qu'en dessous de la culotte? Hein? C'est quoi ce peuple? Le cerveau, vous êtes assis sur le cerveau, vous avez pris ce que vous êtes censé déposer aux toilettes, vous avez mis ça à la place. Soyons sérieux. Depuis là, je vois tes commentaires à 2 francs 6 sous. Hein? Vous pensez que Calibri n'a que ça à foutre? Quel secret? Dites-moi, quel secret? Nous autres sommes sur écoute. Quel secret? Vous pensez que quelque chose peut devenir, rester secret ici? Moi, j'ai une grosse espionne là, j'ai Alexa là. Qui des fois se déclenche même, je ne l'habite pas. Ah si Cynthia, tu es là. J'espère que tu as bien écouté. J'espère que tu as très bien. Ne me dis pas que oh, je ne suis pas dedans. Je t'ai déjà dit que je te mettais dedans. Je t'ai déjà dit que je te mettais dedans. C'est pour l'ensemble de vos œuvres. Et à vous toutes, tous, que je dis qu'il y a des moments où il faut savoir la fermer. Quand une chose se passe à Vegas, elle doit rester à Vegas, pas parce que c'est un secret. Tout ce qui déblactait là, hein, j'ai rien inventé. Votre néné Diakité, elle est arrivée ici chez moi, elle est venue ici plus d'une fois. Je n'ai raconté, je dis bien à personne. Même les calibris ne sont même pas au courant. La seule personne qui était au courant, c'était d'être colonial. La seule personne dans le combat. La seule personne, ce qu'elle est venue faire ici au avec qui elle était au et elle a été la première à aller ouvrir sa bouche pour raconter des bêtises. La question est-ce qu'elle veut que je raconte le film de notre rencontre, les films de nos rencontres? Il y en a qui pensent être trop, hein, trop à l'ombre. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans l'ombre que vous avez le droit de vilipender ceux qui sont visibles. C'est une question de responsabilité. Je peux la verser ici dehors. Je verse des tonnes de luxe et rien ne fait. Je verse Djal ici et rien. Je dis que ça ne changera rien à mon combat. Je dis rien du tout. Parce que la base est fixée. Dans les textes qu'elle va pondre là, que les gens de l'ombre et tag, oui, il faut protéger. Elle se protège elle-même. Qui était censé savoir, à part d'être colonial, qui était censé savoir que elle et moi, nous nous sommes déjà vus? Qui était censé savoir, quand on parle des sens et des responsabilités? Micheline Tchatchoa, là, ses histoires d'argent et tout. J'ai sorti ça, j'ai ouvert ma bouche un jour. Même Sylviane était au courant. Tu nous attends, tu nous attends, toi, tu as activé quoi là-bas? Tu as activé quoi là-bas 237? Hein? Tu es assise, tu nous attends, tu attends le grand sauveur. Sauve-toi toi-même, dis donc. Sauve-toi toi-même.
Les histoires de Sabine et tout ça. J'ai parlé des histoires de Sabine un jour. À quel carrefour? Pourtant, elle a le macabo. Je n'ai pas pris son parti. Elle est là comme un enfant de 5 ans. Elle fait un petit caprice. Elle fait un petit caprice. Tu as 237. Tu fais donc quoi 237? Le pays là est en train de s'écrouler. Ta maison peut s'écrouler sous tes pieds demain. Vroup! Oui, tu peux être couché comme ça. Fiant! Trop béant. Tu fais quoi? Tu es dans les intrigues des enfants de la diaspora. Tu es dans les... Nous avons des assurances ici. Si ta part là s'écroule demain, qui va te dédommager un bas? Tu es au courant, tu es au 237, tu nous attends. Et nous sommes des binationaux, hein, en bas. Même les autres là qui n'ont pas de passeport, là, il y a carte de séjour, hein. On entre, on sort avec. On entre, on sort avec. Donc la mère, tu le fais parce que toi-même, tu as une sortie de secours. Tu as une sortie de secours. Donc, ce que vous fabriquez dans vos groupes-là, achetez-vous un tout petit peu d'intelligence. Ne jouez pas seulement aux troubles faits. Ne jouez pas seulement aux silures. Vous entrez avec la boue, vous sortez avec la boue. Depuis là, moi, j'observe. J'observe. Des fois, je parle. Moi, il y en a qui pensent que je parle. C'est que dès que j'ouvre ma bouche, je garde seulement le coin. Hein? Ainsi, Cynthia, dis à tes soeurs que je ne suis pas du genre à bavarder. Je tape des divers. Mais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Néné ne veut pas que j'ouvre ma bouche. Mais elle est la première à aller dire, j'étais chez Karine et à vous sortir un certain nombre de bêtises. Elle était chez moi. Elle veut que je raconte ma part de vérité. Même vous-même là, vous allez me détester. Mais ça va entrer dans le Japon. Ça va entrer dans le Japon. Sabine veut que je vienne dire pourquoi elle a mon macabo ici. Hein? Elle a mon nom partout là, son nouveau tabac échiqueté qui lui monte au nez là. Hein? Ce sont des histoires de combat. Est-ce que ce sont des histoires de combat? Ah, c'est Cynthia, notre copine. Notre amie là, Sabine Bidion, qui te monte au nez comme la moutarde. Si elle a mon macabo, est-ce que ce sont des histoires de combat? Djal Bokal, l'organisateur, qui dit à qui veut entendre que je suis alcoolique. S'il me gère plus, ce sont des histoires de combat. Je ne bavarde pas. Je suis une personne responsable. Bonjour, la fille de l'autre. Je suis une personne responsable. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Non, non, il n'était pas ici avec DC, mais c'est DC qui l'avait envoyé. DC était au courant parce que c'est DC qui l'avait envoyé ici, qui lui avait dit de passer ici. Donc, il y en a qui pensent souvent savoir certaines choses. Est-ce que vous voulez vraiment que je vienne raconter ma part ici? Ma question de ce jour, c'est ça. Hein? Trembler. Parce que moi-même, ma tête peut jeter l'air. Ainsi, Cynthia, est-ce que tes copines là, est-ce que Lisa Roca veut que j'ouvre ma bouche? Ainsi, Cynthia, est-ce que tu veux bien répondre? Est-ce que toi-même tu veux que j'ouvre ma bouche sur nos divers là pour rigoler? Est-ce que tu veux que j'ouvre ma bouche? Parce que être combattant de l'ombre ne vous donne pas l'autorisation et le droit de nous vilipender, nous qui sommes visibles. Non. Et surtout pas pour des raisons fallacieuses. Surtout pas pour des raisons fallacieuses. Pourquoi est-ce que Sabine et moi, nous serions gâtés dans le cadre du combat? Elle et moi faisions quoi ensemble? Dans le cadre du combat.
pour qu'elle ait autant de moi de macabo. Elle a même beau boire de l'acide, ça ne descend pas. Envoyez quand même un poids lourd. Pas. Hein? Pas une crevette. Faut quand même qu'une personne ayant deux, trois neurones connectés se dévoue. Hein? Lisa Roca est là derrière, elle joue à la marionnettiste. Dial Bocal est là à raconter des bêtises. Hein? Dial Bocal est là à raconter des bêtises. Il veut que j'ouvre son petit dossier. Il pense être trop dans l'ombre. Dial Bocal, est-ce que tu veux être dans l'ombre? Parce que toi-même là, je peux te faire sortir du placard et très mal. Est-ce que tu as l'impression que je suis manipulable? Tu es assez bien placé pour savoir que je ne suis pas manipulable. Tu veux apprendre à un vieux singe à faire la grimace, un gris argenté à faire le poker face. Voilà le gris argenté. Est-ce que tu veux enseigner à un gris argenté comment on joue au poker face? C'est que tu as le gris argenté là comme ça. Tu sais pas si le gris argenté là va te, hein, te mettre un coup de marteau au-dessus de la tête ou si le gris argenté va te caresser. Poker face. Dial Bocal, des grands marionnettistes, qui? Et qui disent, on m'a manipulé, on manipule les vieux. Est-ce qu'on manipule les vieux? Oh, ma chère, il a dit qu'il allait, tu comptais sur le fait qu'il fasse venir ta mère. Obi, consulat de France, tu es le consulat de France. Hein? Oh, mais toi-même, ça, tu défendais tes intérêts. Ben, encore heureux, je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide. Déjà, lui m'a compris qu'ici, là, c'est pour cela qu'il a le macabo. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Vous avez dit que je me suis préparé psychologiquement à entrer dans le combat. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer vos propres vies? Vous qui aimez jeter d'autres en pâture. Est-ce que vous êtes capable de gérer vos propres vies? Ça veut dire que vos propres vies là, sans rien ajouter, sans rien enlever, je viens déposer ça ici, je dis aux congosseurs, gérez. Vous êtes sûr que vous pouvez? Mais vous adorez fabriquer des histoires sur d'autres personnes. Et comme je suis votre Mbutuku là, du moins, vous pensez que je suis votre Mbutuku. Vous avez l'habitude de faire, je suis là, je rigole, je dis. Oh. Donc, si ainsi, Cynthia, à toi-même, je pose la question. Tu veux que je vendredi, Japap devienne très intéressant. Hein? Ainsi, Cynthia, est-ce que tu veux que je rende vendredi, Japap très, très, voire trop intéressant? Là est ma question. Est-ce que tu veux? Ah, quand je verse, toi-même tu es versable la main. Toi-même tu es versable. Tu peux gérer. Est-ce que tu peux gérer? Toi-même tu es versable, non? Donc j'ai besoin de te dire que tu es versable. Toi, tu es versable. Mais ça va faire quoi? Ça va apporter quoi à qui? Nous avons déjà assez de Congo. Et là, ce ne sera pas de l'ordre du Congo, ça. Hein? Non, non. Rapport de paquet, donc quelque chose de réel. Et ce va venir déposer si vous gérez vos vies. Mais non, je ne vais rien verser. Et elles savent que je ne vais rien verser. C'est pour leur dire que nous avons l'obligation d'être des personnes responsables. Rigoler de temps en temps, ça détend. Mais nous avons l'obligation d'être des personnes responsables. De la même façon que vous m'inventez une vie, moi, je peux juste déposer la vôtre ici. Et je vous dis que rien ne va faire. Il y en a qui vont m'en faire le reproche. Mais sur le fond, rien ne va changer à ma démarche. Et puis, le combat, si c'est pas, je ne fais pas ça pour ma mère. Hein.
Ma mère ne vous a pas dit qu'elle veut être présidente. Je ne vous ai pas dit que je veux être présidente. Donc, si vous dites demain que, oh, bah oui, elle ne combat plus, nous, on la suit plus, on vous a dit que c'est pour vous. Dépose dans le système pour la postérité. Vous n'êtes pas la postérité. Si ça ne sert pas aujourd'hui, ça servira demain. Hein? Mes enfants sauront que j'ai fait ma part. Donc, voilà. Et ainsi, Cynthia. Il faut apprendre à être des personnes responsables. Et c'est ça qui nous manque au 237. Le sens des responsabilités, l'éducation et le sens des responsabilités. Elle dit que des personnes pourries jusqu'au fion pensent devoir inventer des histoires pour mieux se sentir. Moi, j'encaisse. Moi, franchement, tout ce que vous faites là sur la toile, ça me fait seulement rigoler. Ça ne sort pas de l'endroit où vous déposez. Et Cécile Mirabel Aneza. C'est qui? Quand tu arrives en terre Ngumba, Christine Mirabel, c'est qui? C'est qui? Hein? À qui? Je suis la fille de. Non, ainsi, Cynthia, tu n'es pas responsable de tes actes. Du tout, du tout. Je suis la fille de. Tu arrives à Lolodov comme ça. À Lolodov. Ici, sur Internet, je dis, je suis la fille d'un grand Dongo. Ses élèves sortent vrou. Ses élèves sortent vrou. Ses élèves sortent vrou. Dès qu'on me voit comme ça, on m'appelle par le prénom de ma mère. Je suis la fille de ma mère. Ainsi, Cynthia, tu n'es pas une personne responsable. Du tout, du tout. Il y a beaucoup de crises dans les groupes de combat là, dans nos groupes là, que tu as activés. Et nous avons vécu avec. Il faut de tout pour faire un monde. Nous avons maintenu l'équilibre. Nous avons maintenu l'équilibre. Jusqu'à ce que la dernière vague là pense pouvoir jouer au trouble fait. Les Lizaroka ont disparu comme ça sans laisser de traces. Hein. Qui a géré les bêtises? Mais Christine Mirabel et Ton de Luxe se sont associés aux Lizaroka pensant que en se multipliant, ils auront plus de force. 0 fois 0 égale 0. 0 fois 100, 0 égale 0. Travailler en direction du 237. Je ne suis pas votre victime. Je ne suis pas votre frein. Je ne veux même pas être votre accélérateur. Nous n'en sommes plus là. L'époque où nous parlions ici pour faire masse, non. Non. Ainsi, Cynthia, tu fais partie des personnes qui ont organisé un certain nombre de foutoirs. Mais nous avons fait avec eux. Non, tu crois qu'elle veut te gérer? Elle ne veut pas te gérer la main. Elle ne veut pas te gérer. Un certain nombre de foutoirs. Hein? Et ne wanda surtout pas. Oui, oui, Ansi Cynthia, tu fais partie hein, d'un des cœurs. On dirait une pieuvre. On dirait une pieuvre. Tu fais partie d'un des cœurs de la pieuvre. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Le combat, c'est au 237. Donc, vous pouvez vilipender ici tant que vous voulez. Je n'ai plus besoin d'être écouté. Il ne faut pas croire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est dans une autre direction. C'est dans une autre direction. J'ai un combat maintenant. Il faut que j'inverse la vapeur. Il faut que je mette beaucoup d'eau dans le vin des panafricains là. Il faut que je mette beaucoup d'eau et que tout le monde boive. Pour le 237 là, est entre les mains des Camerounais. Là maintenant, ce que je fais, c'est pour les afros dans le sens large. Donc vous pouvez vous embrouiller là-bas en bon Camerounais irresponsable pour moi quoi là-dedans. Est-ce que vous vivez au Cameroun? Je vous ai dit que vous êtes back là-bas. Est-ce que vous avez dit que vous êtes back au Cameroun? Non.
Le papa Kokamon, je travaille pour l'humanité. Donc, s'il y en a qui sont incapables de l'entendre, il y a des personnes qui me ramènent leur petite carcasse là, moi, ils rigolent. Je rigole. Tu as des personnes ici qui n'arrivent pas à payer son leur loyer. Et ici, là, mon employeur me paye mal, mais c'est régulier, ma ça. Mon loyer est prélevé. Oh, ah. Avant même qu'on touche à mon salaire, ils ont déjà pris leur part. Ma mutuelle est prélevée sur mon salaire. Donc, tant que je travaille, que je sois d'accord ou pas, sauf si je décide de ne plus avoir de mutuelle, mais tant que ma mutuelle est prélevée sur mon salaire. Donc, la famille, ne vous inquiétez pas, c'était juste un rappel à l'ordre que je faisais étant de luxe et le message est trop bien passé même. Trop, trop bien passé. Sauf que, elle n'a pas compris. Le message est passé, mais elle n'a toujours pas compris. Elle n'a toujours pas compris. Et quand j'entends Mirabelle, elle a dit que Mirabelle, elle-même n'a pas pitié de sa soeur. Elle n'a pas pitié de sa soeur parce qu'elle ne se projette pas. Elle ne se pose pas la question de savoir ce que ça pourrait déclencher. Moi, je me pose la question. Quand je rencontre un combattant et que je ne dis rien, c'est parce que je sais ce que ça pourrait entraîner au cas où. Au cas où. Et vous avez des personnes qui n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Les nénés, là, tu regardes néné comme ça, il dit, je secoue seulement la tête, je dis, maman, il n'y a qu'une personne en situation de handicap pour ne pas s'inquiéter pour son état. Au Cameroun, dans nos langues maternelles, on dit souvent que tu n'as pas pitié de toi-même. Quand je regarde Néné, je dis purée. Celle-là, je la prends par quel bout? Je la prends par quel bout? Donc, ainsi Cynthia, il ne faut pas croire que nous sommes aveugles. Non. C'est parce que nous sommes partis du principe que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et qu'il est important que tout le monde participe. Oui. Oui, ainsi Cynthia. Donc ne joue pas l'innocente aux mains pleines là, c'est agaçant, c'est agaçant. Moi je en vouloir, t'en vouloir pourquoi? Non. Non, non, non. Je t'en veux pas. Parce que quand je pèse, quand je sous-pèse, bof, tes manigances là, pouf, c'est tombé quoi. C'est de l'ordre du Congo, ça, ce coup-là. C'est pour se détendre. Ça pèse quoi dans la lutte? Ça ne pèse rien dans la lutte. Ce que tu fais là, si ça vient à se retourner contre toi, c'est toi qui vas lire l'heure, c'est tout. C'est toi qui vas lire l'heure. Alors pour chouette machin Mirabelle là qui dit que je vais te sortir du combat. Hein? La chose de lutte là n'a pas réussi, c'est vraiment. Vraiment. C'est celle qui n'arrive pas à construire une phrase tenant la route qui va me faire sortir du combat. C'est elle qui m'y a fait entrer. C'est ce. Je mange le reste de ma pizza. Oui, vraiment, une brigade anti-Karina. Vraiment, beaucoup de souffrance. Est-ce que c'est la première brigade? Est-ce que c'est la première brigade? Hein? Il y en a qui font croire qu'il n'y a eu, pas eu de médiation. Combien de fois Loris a fait la médiation? Je disais même à Loris, Loris, laisse tomber. Loris, elles ne sont pas dans cette posture-là. Elles ne veulent pas. Non, non, non. Celle de Mirabelle-là, elle est dans le mépris désormais. Elle ne veut. Je leur ai dit, il faut les off du groupe terminer. On n'en parle plus. Au retour de quoi? Oh, maman. Ma mère ne gère plus. Non, rappel à l'ordre, c'est tout. Maintenant, elles font ce qu'elles vont, elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent diaboliser, elles sont les premières. Elles sont les premières. Oh, maintenant, c'est quand tu as couché avec Alibi, tu as couché avec Max. Tu as fait un enfant avec le vieux blanc de ta soeur. Ouais. Ouais. Sauf que là, vraiment, baby doom, hein. Baby doom. Ma fille aînée n'est pas métisse. J'ai fait qui?
Ma deuxième qui est métisse, son père a 4 ans de moins que moi. Donc, le vieux blanc avec lequel j'ai. Donc, vous racontez des histoires qui ne tiennent pas la route. C'est pour ça qu'il dit que. Mais Douma. Douma. Hein? Incapable de construire une histoire cohérente. Incapable. Même avec toutes les données versées ici. Les photos de mes filles sont sur Facebook, sont sur mon mur. Bon, les gars, vous ne voyez pas que ma fille est née. N'est pas métisse quand vous dites que je l'ai faite avec un vieux blanc. Mais les gars, ma fille n'est pas. Lulu n'est pas métisse. C'est une pure dure camerounaise. Et le père de Chiara, il a 4 ans de moins que moi. Vous parlez de quoi? 4 bonnes années de moins que moi. Le vieux blanc, là, vous le voyez où? Vous prenez vos vies, vous transposez. Vous transposez. Qui ne connaît pas mes filles? Néné, tu as vu mes filles ici? Tu as vu où que ma fille est née, métisse, que j'aurais fait avec. Tu as vu ça où? Qui a un jour vu ma soeur avec un blanc, même jeune, même vieux? Qui? Vous racontez ce genre de bêtises, là, vous voulez même qu'on vous prenne au sérieux. Mais c'est pour cela qu'elle vient mettre ça dans le système ici, pour la postérité. C'est parce que vos bruits là vont s'arrêter ou bien parce que non. Maintenant, quand vous allez faire vos bruits là, il y aura un petit rappel à l'ordre dans l'histoire. Mais maintenant, vous pouvez continuer à faire votre bruit. Tout ce que je dis, c'est raconter toute l'histoire. Néné, raconte toute l'histoire, s'il te plaît. Dis comment et avec qui tu étais à Lyon. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Faut pas seulement inventer des choses qui n'ont aucun sens. Allez, la famille, la lutte, seule la lutte libère. Mais ces chers enseignants, ne lâchez aucune parcelle. Aucune parcelle. Si le changement du Cameroun doit arriver par vous, acceptez la charge. Accepter la charge. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous autres, c'est grâce à nos enseignants. Grâce à nos enseignants, ce que nous sommes, nous autres, aujourd'hui. Des enseignants qui, malgré les difficultés, arrivaient à sortir des têtes bien faites. Des têtes pleines, des têtes bien faites. En Sicile, tu as vu, tu fais ce que tu veux. Ah, ça, c'est clair. Bienvenue dans un monde de liberté. Je parle de responsabilité. Tu fais ce que tu veux. Personne ne t'a jamais dit de ne pas faire ce que tu voulais. Tu fais ce que tu veux. Mais je parle du sens des responsabilités, de la fuite en avant, de la mauvaise foi. C'est ça que je parle. En Sicile, tiens. Et est-ce que je parle avec de l'eau dans la bouche? Non. Parle pas avec de l'eau dans la bouche. Tu es responsable d'un certain nombre de crises dans les groupes. Mais une comme moi, là. Une fois, j'en ai eu un ras-le-bol, et puis j'ai encaissé. Oui. J'ai encaissé. L'histoire de boycott, là. J'en pouvais plus. Dès que tu ouvrais ta bouche comme ça, mon corps se mettait en mode de défense. C'est pour ça que j'étais sortie du col. Mais j'ai laissé que toute l'assemblée me tape dessus, non? Est-ce que je suis venue me justifier en disant que c'est à cause d'Assis Cynthia, vraiment? Non! J'ai pris mes responsabilités, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui avais organisé tout ce merdier-là. J'en ai vraiment eu marre. J'ai dit, eh ben, celle-là, c'est bon. Je ne veux plus l'entendre siffler à mes oreilles. Mais après, j'ai respiré un gros coup. Est-ce que tu as vu du ressentiment quand je m'adressais à toi? Ou quand je répondais dans l'école, tu as senti une animosité venant de moi? Non. Parce que je suis quelqu'un de responsable. J'encaisse. Oui, j'encaisse. Tu me sortais par tous les trous. Mais c'était ponctuel après. Tu es responsable d'un certain nombre de choses. Dès qu'il y avait, tu te trouvais là tranquille, bing, tu apportais un truc, boum, ça partait dans tous les sens. Mais c'est ce que tu es. Tu ne peux pas te changer. Donc tu fais ce que tu veux.
Mais quand ta démarche devient problématique, tu es sorti là, qui t'a couru après? Tu es parti des groupes, non, qui t'a couru après là, mais personne ne t'a couru après. Toi, tu es au 237. Qui cherche à savoir qui tu es? Comme il y en a qui m'entendent qu'on affiche, on affiche. Anti-Cynthia, quelqu'un a cherché à savoir qui tu es. Hmm? Est-ce que quelqu'un a déjà cherché à savoir qui tu es? Non. Non. Ça n'intéresse personne. Nous sommes dans ce combat-ci. Tu as y apporté quel élément? Quand il y a quelque chose qui se passe au deux, c'est même un accident, tu as y apporté un seul élément. Disant que voilà, nous avons la certitude que l'enregistrement c'est conforme à ce qui tu as y apporté. Donc pardon, il faut nous laisser le bruitage là, dis donc. Hein, ainsi Cynthia, il faut nous laisser le bruitage là. Nous ne sommes pas des gamins. Tu es au 200, moi je suis au 250, 37, je vous attends. Tu nous attends pourquoi? Nous sommes ta chandelle, nous sommes quoi? Ta béquille, quoi? Hein? Ta maison s'écroule là-bas demain. La nôtre, moi je suis en location, je suis assuré, le feu sort. Je suis assuré à hauteur de combien même, je ne sais même plus. Le feu sort. Ça veut dire que ça là, ça tombe demain là. Le temps c'est mal là, que donner. Je remeuble. Le temps c'est mal à main. Que donner. Si la tienne s'écroule là-bas au 230, c'est la lutte que je mène là, c'est pour qui? C'est pour qui? Oui, tu es libre. Utilise bien ta liberté. Tu es libre, ça c'est clair. Et c'est ce que nous voulons, des personnes libres. Pas seulement pour fourlou, comme disent les bêtises. Non, non, la liberté là, c'est pas seulement pour fourlou. Pour jouer au trouble fait. Non. Moi, j'encaisse beaucoup, hein. J'encaisse énormément même. De temps en temps, je viens de faire un petit rappel. Alors, j'encaisse énormément. Parce que c'est moi qui en ai fait le choix. Donc, restez dans les clous. Si je ne vous verse pas, ce n'est pas parce que je suis plus, comment dire, je suis meilleure que vous, non. Parce que j'ai décidé d'avoir un tout petit peu de discipline. D'avoir le sens et des responsabilités. Hein? Non, non, bonne nuit, c'est vrai, il faut aller faire dodo. Non, je n'ai pas de direct cet après-midi. Je vous ai dit que je suis très fatiguée. Je commence, j'ai des hématomes qui ont refait leurs apparitions. Donc, les gens qui parlent des maladies des autres, là. Hein? Vous voyez jusqu'où certaines personnes se croient, hein, devoir aller. Oui, oui, oui. Mais il y en a qui parlent de la maladie des autres. Si tu en arrives à parler de ma maladie, c'est que tu n'as rien à dire, tu n'as plus rien d'autre à dire. Ma maladie, je la vis toute seule. Parce que personne ne peut la vivre à ma place, c'est comme l'envie d'aller aux toilettes. Personne ne peut vivre ma maladie à ma place. Donc quand il y en a qui arrivent ici, oh vraiment, hein, la mourante là, oh, oh, oh oui, il y a les mourants, mais je suis debout. Vous savez pas ce que j'ai pu traverser. Et quand je le dis, c'est pour aider ceux et celles qui ont de longues maladies. Mais vous avez des totos là, qui ne sont même pas sûrs d'être en bonne santé, qui disent, oh, la mourante là, ah, d'ailleurs, tu n'es pas malade. Est-ce que c'est à vous que... Ça dépend de vous. Je me suis réveillée ce matin, il y a les hématomes. Maman, il faut que je gère. Vous savez combien, ça fait mal. Hein? Vous avez déjà eu des hématomes comme ça, vous ne savez pas d'où ça sort. Vous savez... Vous savez combien de centilitres de sang m'ont... Il veut dire que mon médecin a demandé de ça. Elle a vu les résultats, j'ai dit, hey. La femme, si elle voulait savoir tout ça pour aller où avec? Tout simplement parce qu'elle trouve que j'ai trop maigri, trop ou trop vite, ou j'ai perdu trop de poids, j'en sais rien. Quand je prenais ça là, elle wandaillait. Maintenant, je perds, elle wanda aussi. Hein? On m'a fait tous les tests, juste au HIV, même je wanda sur elle. Il y a même le HIV dans ça. Et elle aurait pu faire comme ça, j'ai la crise cardiaque, hein. Vous imaginez, je prends les résultats, je vois HIV. Bon maillé. Je vous dis tout. Mais je me réveille ce matin, personne ne sait pourquoi. J'ai des hématomes. Oui. Ça fait un mal de chien. Hein? Un mal de chien. Tu as des hématomes, tu ne sais pas pourquoi tu as des hématomes. Ah, doux Jésus. Et pas le genre d'hématome. Non. Ça chauffe, ça fait. Tu bouges comme ça, tu sens. Niou, niou. Allez me raconter vos bêtises là ici. Moi, je sors de loin.
J'ai souhaité mourir à un moment. J'ai souhaité mourir. Et mes filles, avec quel âge? J'ai souhaité dire que non, 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 que la fête la bamba, que moi, j'en peux plus. C'est quoi cette vie? C'est pas une vie d'ailleurs. Je viens de loin. La majorité de ceux qui ont ma pathologie ne savent pas encore la gérer. Vous parlez de quoi? Je suis la résistance. La majorité me disent, mais comment toi tu fais? La majorité ne travaille pas. Pour ne pas dire quasiment tout le monde. Mais petit à petit, j'ai appris à me remettre debout. On dit que je dors au boulot. C'est acté. Je fais ma sieste. Quand j'étais à la direction là-bas, tu me voyais passer avec mon oreiller comme ça. On dit, ah, le, quand c'est l'heure de la sieste, je dis, oui, j'allais dormir à l'infirmerie. Vous racontez quoi qui? Je dis, où est à la direction? À la direction, c'est moi qui dormais à l'infirmerie. Vous parlez de quoi à qui? Depuis que je suis même plus là, on a fait les bêtises. Hmm? Je ne me fabrique pas une vie. Non, du tout, du tout. Si je suis consciente du fait que si j'étais restée au Cameroun, je ne serais plus de ce monde. Non, je ne serais plus de ce monde. Je le sais, je suis consciente. Je suis consciente, j'ai beaucoup de chance. Vous savez combien coûte mon traitement? Vous savez combien coûte mon traitement? Et je déteste même boire des médicaments. Moi, c'est la avalé. Mais maintenant, vous bouffe ça comme les cachots. Bonjour, Lauriane. Vous parlez de quoi? À qui? Vous avez quelle expérience? Vous ne vivez pas vos vies. Vous n'assumez pas vos vies. Vous assumez une personne qui me connaît, une Adam, dit d'elle, oh, tu es mourante un coup. Oh, tu n'es pas malade un coup. Vous voulez que vous foutez quoi avec ce genre de discours? Des enfants non élevés comme ça. Vous voulez que vous foutez quoi avec? Bouffeur d'oxygène. Gaspillage d'oxygène. Vous voulez que vous foutez quoi avec? Hmm? Vous voulez que vous foutez quoi avec? Dans la lutte. La lutte dans laquelle je suis là, vous voulez que vous foutez quoi avec ces gens-là? C'est un rappel à l'ordre, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas laisser la mauvaise herbe s'étendre. C'est pour cela qu'elle vient faire un rappel à l'ordre. Ah oui. Vous vous dites que votre bêtisier là, eh bien, repartez au labo. Ne venez pas casser les oreilles aux gens ici. Vous n'avez pas le monopole de l'invention. Moi, je peux m'asseoir ici, j'invente des histoires terribles sur vous. Hein? Pas besoin d'être méchant. J'invente des histoires ici. Les gens, ça va être hilarant. Ça va être hilarant. Il y a vendredi, non, je peux m'asseoir ici, j'invente des choses sur toutes ces personnes-là. Mais ça va nous mener où? Oh, je vais te faire ceci. J'ai ma main à ton cou. Je vais appuyer au point de t'étrangler. Et tu me menaces ici, l'école est bien. Tu me menaces ici, Massa. Tu me menaces de me tuer ici. Donc demain là, si on me trouve étranglé quelque part, on viendra te caca. Tu vas être la première personne qu'on ira voir. Hein? Baby Doumbi ça. Et ça se dit, oh oui, oui, machin, hein. Je te fais sortir du combat. On dirait une poule qui a du mal à pondre l'œuf. Franchement, tout un groupe travailler en direction du 237, pas tous les diables. Il y a le anti-Cynthia, il y a la catastrophe de Bankolo, hein. Il y a même une catastrophe à Douala. Mais la mère va donner un coup de main à notre chanteuse. Comment est-ce qu'elle s'appelle notre chanteuse là? Elle a levé des fonds. Tu aurais pu lancer une levée de fonds dans la diaspora ici. Pour les gens de Bankolo. Question de, je sais pas, leur trouver un terrain vague, mettre des tentes, faire un petit forage, en attendant que ces personnes puissent se construire une maison. Il y a des tentes ici. Il y a des tentes de l'armée. Il y a des tentes solides, des tentes qui utilisent le haut commissariat aux réfugiés, là. Vous mettez ça dans le bateau ici. 2 semaines, il y a des bateaux qui font 15 jours. Tu aurais pu lever les fonds, pas les. Moi, la voleuse de l'Ichi, moi, ne lève plus les dos. Tu aurais pu, non? Il y a Caresse Rosso qui a fait une levée de fonds. Tu n'étais pas au courant? Le Congo, ça dans les IB, affaire du porte-à-porte. Affaire du porte-à-porte. Ah, le Cameroun qui se meurt. J'ai vu une autre photo, un autre immeuble qui s'est écroulé. Le Cameroun est en train de se désagréer. Là où tu es assise, là, tu n'es pas sûr que ta maison
soit posée sur un gruyère. Tu n'en as pas la certitude. Tu n'en as pas. Tu pourrais payer quelqu'un pour venir vérifier ta fondation. On ne sait jamais. L'eau s'infiltre partout. Douala est une éponge. Douala est une éponge. Moi, je me projette. La maison de ma mère a été entre... Peut-être que maintenant, oui, comme nous, voilà. La maison de ma mère. Partout où il y a eu un colmatère, l'environnement s'entretient. L'environnement s'entretient. Il y avait éboulement devant... Elle a mis des briques. Elle a mis des briques là. Tchac, 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 tchac. Rien ne tombe plus. Vous vous adressez à qui? Allez regarder notre maison à la... Allez regarder les travaux que ma mère a fait autour. Vous parlez à qui? Hein? Vous vous adressez à qui? Allez regarder. On vous a dit que la SIC entretenait les bêtises là. Allez regarder. On vous a dit que les chiens font des chats. Hein? Personne n'a abri à l'abri au 237. Ce que je fais là, ce n'est pas pour moi, c'est Cynthia. Ce n'est pas pour moi. Diabolisez-moi autant que vous voulez. On n'est jugé que par ses pères. On n'est jugé que par ses pères. Les locks de 1 là. Non, non, non. Repartez un tout petit peu. L'instruction est versée partout. Internet, c'est pas seulement pour faire le Congo ça ou bien pour regarder les films classés un genre. Pas du tout. Je gère ma maladie et j'en suis fière. Mais vraiment. La souffrance, je sais ce que c'est. Je n'ai jamais culpabilisé qui que ce soit. Il y en a qui ont dit, il faut aller au village. Il faut ceci. Seul les tonnes de luxe, la maman dit qu'elle va prier pour moi. Ah, oui, les tonnes de luxe. Elle dit qu'elle va prier pour moi, elle va venir, elle va prier pour moi. Elle va... Je suis petite fille de pasteur. Même mon grand-père ne me dit pas, Karine, viens, oh, je prie sur ta tête. Le petit frère de mon grand-père, le dernier né du ventre de sa mère, est pasteur. Il est pasteur. Donc quand tu me dis que tu vas venir prier sur ma tête, là, je reste comme ça. Hein? Le grand cousin de Ludmilla est pasteur, est prêtre. Les gars n'ont jamais dit qu'ils vont venir prier. C'est étonne de luxe. Qui dit qu'elle va prier pour ma guérison. Je suis restée comme ça. J'ai dit, Zamba, attends d'abord, je bois mon cachet. Hein? Hein? J'ai dit, attends d'abord, je bois mon cachet. Tu vas prier par-dessus mon cachet. Bois d'abord mon cachet. N'oublie pas mon cachet. Paie par le nord. Et ce sont ces personnes qui me vilipendent aujourd'hui. Elles ont bien vu ma démarche. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je n'ai pas l'esprit qui part, qui se balade comme quelque chose d'égaré. Hein? Quelque chose sans maître. Il y a tant de gens là qui me vilipendent ici. Allez la famille. Hein? Il faut que je me reconcentre sur OTS. La voiture de Max. À Noël, si mon Max sort la voiture de garage là avant moi, il va me sentir passer. Hein? Mon Maxou, ah, un sac d'homme. Hein? Un sac d'homme. Non. Hey, je ne m'associe pas à n'importe quoi. Là où je suis là, je ne marche pas avec n'importe qui. Hein? Jamais ne m'a. Quand on dit l'homme, mon Maxou est un homme. Elle a ceci avec Max. Elle a aucun respect pour vous-même quand vous sortez ce genre de bêtises. Quand vous n'avez aucun respect pour vous-même. Vous imaginez que d'autres fonctionnent comme vous. Mon Maxou. Hey, doux Jésus. Mon Maxou. Rien qu'à moi. Et si c'est que Mako, elle veut pas la tête se rouler au sol. Mako, elle pose la tête se rouler au sol. Que la maman, la mère, toi aussi, tu sais, soit un chouquet dans le fémur. Hein. Hein? Mon Maxou à moi. Quand je lui dis que moi, si elle boit pour le caddie de tout, qu'elle boit le caddie de Max, c'est comme ça que le jour où j'entends que mon Maxou a manqué de respect à Mako épouse, il va lire. Même Mako épouse va dire que pardon, laisse mon mari comme ça. Il va lire. On vous a dit que je suis complice des bêtises. Hein? On vous a dit que je suis complice des bêtises. Moi, si là.
Quand tu viens là, tu fais un jaja, je te dis que vous me connaissez, moi ça va sortir. Hein. Si moi on me pose la question de savoir où tu étais, moi je vais dire où. Moi je vais dire, j'ai des frères, c'est-à-dire mes frères, allez leur demander. Quand je dis mes frères, on dit, oui, mes frères par alliance, les enfants de mon beau-père. Je leur disais que où tu es venu présenter ta part à moi, j'ai tes à côté. Quand ils reviennent, ils ne veulent pas entendre que c'est Paul, c'est Janine, c'est pour moi, ça sort comme ça sort. Quand ils te vendre d'ici chez ta copine, tu vas gérer les dégâts. Moi, si là, je n'ai jamais dit à mes frères que. Ils vont faire, hein, ce sont des hommes, mais ils ne vont pas me rendre complice de la chose. Demandez. Hein? Demain, il dit que ici, là, vous venez y présenter vos. Moi j'ai un certain nombre d'années de plus que vous. Hein. Je suis votre aîné de loin dans vos histoires. Et puis, moi, je n'ai pas grandi dans le genre là. Les belles soeurs qui mangent à tous les râteliers, elle a dit que non. Quand je reviens ici l'année prochaine, ne m'amène pas Jeannette ou Janine ou beaucoup de G là qui ne sont pas les mêmes. Il faut demander à mes frères. Non, n'encourage pas. Et vous pensez vraiment que... Il n'a plus 25 ans. Hein? Hmm? Bon, à 25 ans, moi, je pouvais faire deux, trois petites. Hein? Mais moi qui suis assise. Hein? Mais les gars, s'ils jouent à ça, ils sont morts. Ils vont trembler. Parce que moi, dès qu'on va me poser une question, ça va sortir tout seul. C'est après qu'elle va dire, oh mince, je viens de merder. Donc, il ne faut pas m'entraîner dedans. Non, le jour où j'entends. Je vous dis que c'est ma co-épouse qui va venir stiper. Et mon fils, demain, ben, il va lire, il va très mal lire. Donc, tu es assise là, tu traumatises là, les enfants, les gens. Qui traumatise tes soeurs? Quand on va traumatiser tes soeurs, tu vas t'énerver, non? Donc, tu traumatises pas les enfants. Tu ne veux plus, tu changes de femme. Tu divorces. Il y a le divorce là. Ça existe, le divorce. Ah oui. On ne joue pas avec le cœur des gens. Pas des histoires de tu arrives à le gars à 32 000. Non, non, c'est l'éducation que c'était. Oh, c'est pas moi qui vais finir avec, mais moi, je suis une très mauvaise complice. Je suis une très, très... Et on dit que c'est naturel. Moi, je ne réfléchis pas. Quand tu me poses une question, ça sort tout seul, c'est spontané. C'est après que je dis, oh, con. C'est sorti tout seul. Ben oui, c'est comme ça. Il y en a qui savent, qui ne doivent pas me dire des choses, un genre, ou ils me pincent trop fort pour que je m'en souvienne le jour où on me posera la question. Ils me disent que Karine, ça reste entre nous. Hein. Je fais seulement, mais ne t'encourage pas. Moi, c'est un t'encourage. Pardon, les bêtises que vous racontez là, vous racontez ça à qui? Mon Maxou est durement et sûrement marié. Vous avez vu mon Maxou qui va essayer la voiture comme ça, et là, c'est la femme qui fait la vidéo, qui lui dit que tu ne trouves pas qu'elle est trop petite pour toi. Mon Maxou est un 92. Hein. Et que tu ne vois pas, tu ne trouves pas que... Vous avez... Combien de maris vont acheter la voiture? Combien d'afro vont acheter la voiture avec leur femme? Combien? Vous venez vous parler des choses que vous ne connaissez pas. Oh, elle a couché avec ceci. Et vous n'avez même pas honte de sortir ce genre de bêtises de vos bouches. Et vous dites, ah, nos leaders, vos leaders, que vous roulez dans la boue. Tout simplement parce que vous pensez pouvoir m'atteindre. Adama. Adama. On peut être bouffeur, gaspilleur d'oxygène comme ça. On devrait vous vendre l'oxygène là au mètre cube. On devrait vous rationner. Bon sang de bonsoir. Ah, c'est Ariniki. Non, mais c'est Alicina. Ah, nos leaders. Et vous dites que moi, juste pour m'atteindre. Ah, tu as couché avec Max, tu as couché avec Ali. Ah, il n'y a pas couché avec le bon Dieu une fois. Shame. Vraiment. La honte et l'habitude. Vraiment pas. Allez, dossier classé. Hein? Bim loli. Dossier classé. Non, mais c'est couleur. Je classe les bêtises. Définitivement rangé comme celui de la chose de Luton là, donc le nom, moi j'ai l'air d'oublier, d'effacer même les noms de ma mémoire. Je dis classé, hein, ainsi Cynthia, le dossier est classé. C'était juste un rappel à l'ordre. Et le dernier, votre dossier est classé. La lutte, c'est au 237. Personne ne sait par où ça va sortir, et ça va sentir mauvais, ça va faire très très mal. Ce que nous appelons transition au 237 là. Parce que nous ne voyons pas clair à l'horizon. Nous ne voyons pas clair. Même si les Camerounais ne font rien,
même si Franck Biya vient à être, même s'ils ne font rien, ce sera une douleur pour nous autres. Parce que chacun va étouffer ça chez lui. Quelle que soit la sortie là, nous avons fait tellement de mal à notre pays que le redresser ne peut être que douloureux. Redresser ce pays là. N'oublions pas que nous avons une scission sur les bras. N'oubliez pas que 20% de notre pays aujourd'hui est en mode scission. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un jeu. Je dis bien, si nous autres acceptons et les SO et d'être surveillés, nous sommes conscients du fait que ce n'est pas un jeu. Comme dit soit mon Maxou, ce n'est pas le Congo ça. La lutte, ce n'est pas le Congo ça, ce n'est pas un jeu. Nous nous sommes compliqués la vie, nous autres qui sommes visibles. Je dis bien compliqués la vie. Partout où nous passons là, ça siffle. Il y a des scans, il y a des enregistrements. Nos vies sont enregistrées. Nos mouvements sont enregistrés. Donc quand certaines personnes là se lèvent le matin, disent que oh, c'est moi qui te remplace, c'est moi qui te dégage, reste comme ça. Je regarde la chose, elle est beau, et gaspillage d'oxygène. Je regarde ça comme ça et dis que maman, tu sais dans quoi nous sommes? Est-ce que tu sais dans quoi nous sommes? Cœur de poulet. Cœur de poulet. Donc on va faire boue. Je vais te mettre à te pisser dessus. À te pisser dessus. Il y a eu des marches là. Vous avez fait quoi? Quand il fallait aller à Genève, vous étiez là. Et c'est vous qui avez ramassé Georgette ici. Georgette qui a été, Seigneur, avec le déambulateur. Vous parlez de nos maladies. Est-ce que vous parlez de nos maladies? Quand on parle de résistance, quand on parle de survivants, nous autres avons vu la mort. Nous autres avons vu la mort. Moi, je l'ai vu pas deux fois. La première fois, l'accident, mon cœur s'est arrêté. Nous qui avons vu la mort, vous vous adressez à Georgette, qui est un des visages de cette lutte. Un des visages de cette lutte. Peut-être qu'elle-même, elle n'en a pas conscience. Vous ouvrez votre bouche. Vous ouvrez votre bouche. Vous lancez un direct. Vous tombez sur Georgette. Georgette, c'est votre copine. Comme je vous envoie là, combien de fois je vous ai arrêté? Je vous ai dit, laissez Georgette tranquille. Moi qui vous envoie là. Parce que vous ne mesurez pas l'ampleur de ce dans quoi nous sommes. Et vous dites que vous êtes dans la lutte. Ah, vous pensez qu'aller tisser des histoires, dormir debout, ça va nous ébranler nous autres aussi. L'État français ne m'ébranle pas, c'est vous qui allez m'ébranler. Wonderful. Vous êtes trop fortiche. Allez la famille. Bibala. On se tamponne. Demain, c'est vendredi. Oui, je vais. Faut que je fasse passer ces durs moments. J'ai même la bouche pâteuse, mais c'est affreux. C'est affreux quand l'histoire là revient comme ça. Il faut que je maintienne mon mental parce que ça attaque vraiment mon mental. Quoi, les frissons, les douleurs, c'est affreux. Quand ça revient comme ça, ça me tue. Donc il faut que je... Parce que les enseignants ont besoin de nous voir. Et j'ai pas beaucoup d'énergie. Ça fait longtemps que j'ai même pas compiler les vidéos, que j'ai pas compilé les photos. Je suis désolée, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mes chers enseignants, oui, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Si vous pliez là maintenant, ah là là, vous avez vu que beaucoup de Camerounais disent, oh ben ils ne croient vraiment plus en la chose. Tenez bon. Tenez bon. Ce sont vos droits. Si dans notre propre pays, nous vous enlevons vos droits,
est-ce que vous irez les réclamer? À qui? Vous irez chez les Gabonais chercher vos droits. Notre pays, notre État devrait nous protéger, devrait protéger nos biens. Regardez, des quartiers entiers qui disparaissent. Le rôle de l'État est où donc? L'État n'arrive pas à gérer sa masse salariale, n'arrive pas à gérer ses agents. Ils ont voulu centraliser, voilà. Voilà le poids de la centralisation. Comment est-ce que tu peux travailler 15 ans? Seigneur. Allez la famille, OTS. Vous savez que les Camerounais attendent toujours que quelqu'un allume la brèche. Ah. Ne lâchons, ne lâchez pas. De toute façon, les gars, vous doivent déjà les bas 10 ans de salaire. Un mois de plus, un mois de moins. Hein? Ne va rien y changer. Et nous, je suis une très mauvaise congosseuse, de toute façon. Hein? Donc là, j'essaie de tenir. Quand je suis dans ce moment-là, j'arrive pas vraiment à utiliser mes neurones. Oui, oui, oui. Parce que le plus grand de mon énergie sert à lutter contre la fatigue, contre les douleurs. Donc du coup là, je suis, oh, mais vraiment je suis, même parler, hein, mais difficile. Mais comme je vous disais, le choisir, c'est le choisir. Je me suis engagée à maintenir la flamme. Et croyez-moi, ce ne sont pas les babadologues là qui vont y changer quoi que ce soit. Mais je me dois de temps en temps de venir mettre des points sur les i ici. Parce que sinon, ces personnes-là, ben, vraiment, elles se sentent un tout petit peu trop confortables, quoi, hein. Elle se disait, finit par y croire. Donc, question de vous faire comprendre que même, vous ne devez pas y croire. Hein, parce que ça ne va aller nulle part. C'est pour cela que je fais ce genre de sortie. C'est pas une histoire de balancer X, Y. Ça va pas commencer aujourd'hui. Hein. On ne devient pas une personne mauvaise du jour au lendemain. Non, ça ne se décrète pas. Toute cette méchanceté-là est dans ces personnes depuis toujours. Depuis toujours. Elles ont décidé de ne plus prendre leur traitement et tout. Donc, exposé, oh, elle a exposé, elle a machin, elle a publié, elle a publié où? Oh, c'est ici, je ne montre pas. Maf! Quelle raison est-ce que j'aurais, j'ai la photo de quelqu'un, elle sait que nous sommes sortis, je pourrais avoir sa photo. Pourquoi est-ce que je lui enverrais? Pourquoi est-ce que je lui enverrais sa propre photo dans ma série? Rien de compromettant. Quand on fait du chantage à quelqu'un, c'est une chose qu'on ne devrait pas montrer. Ta photo, je suis assise ici, tu me prends en photo. Tu me la renvoies pour me dire que tu as ma photo. Voilà, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Hein, la famille? Allez. Bibala. Demain, c'est vendredi, j'ai pas. Pourquoi? Ah non, je vais voir si j'ai un peu de temps pour travailler sur OTS. Parce que vous savez que je ne sais pas faire du Japap. Demain, je vais essayer de travailler sur OTS et OTS. Si vous m'entendez, envoyez-nous des éléments. Et nous, désormais, hein, comme j'aime à le dire, le combat c'est au 237. Donc, nous vous suivons. Désormais, nous nous relayons. Nous ne vous disons pas quoi faire. Vous êtes maître de la démarche. C'est vous qui sentez le Cameroun là. Dans vos veines, c'est vous qui sentez dans vos êtres. Donc c'est à vous de déclencher la lutte et nous allons, une comme moi, je vais vous suivre. Donc, si vous voulez que certains éléments soient amplifiés, mettez-les en ligne si vous ne voulez pas nous les mettre eBay et à la limite, taguez-nous. Nous viendrons télécharger. Voilà. Et si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas faire partir du Cameroun, envoyez-nous. Nous allons amplifier. Nous sommes devenus des amplificateurs. C'est pour cela que nous avons souvent dit que la lutte, c'est désormais au 237 parce que les Camerounais doivent prendre leur responsabilité. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, si je ne participe pas à un certain nombre de choses en France, c'est parce que je sais qu'il y a des systèmes derrière. C'est parce que je sais que sur le plan salarial, il y a des syndicats, il y a des ceci pour défendre nos droits. Donc, vous n'allez pas me voir aller faire une marche parce qu'il y a des grèves. Non.
Parce que je sais qu'il y a des systèmes performants derrière. D'ailleurs, j'ai pris un abonnement à un syndicat. Je cotise pour un syndicat, ce n'est pas un abonnement. Je cotise à un syndicat, j'ai pris un comme ça et je cotise pour participer à la vie du système. Donc, si je ne le fais pas ici en France, c'est parce que je sais qu'il y a des systèmes derrière, il y a des personnes engagées derrière qui mènent des luttes pour cette société, chose que j'aimerais voir s'installer au 237. Voilà. Donc, le reste là, bah, nous sommes les enfants du 237, le Congo, ça, hein, nous, on aime. Donc, de temps en temps, j'arrive ici en toute légèreté, mais j'en oublie pas, hein, la démarche principale. Parce que nous sommes dans quelque chose de très, très douloureux. De temps en temps, il faut souffler. Parce que sinon, beaucoup pourraient finir par y laisser la raison. C'est pour ça que de temps en temps, il faut lever le pied. Question aussi que ben, certaines personnes encaissent et se rendent compte que, ben, les gars, c'est vous qui êtes frappés. Vous voyez, en Occident, moi, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Moi, j'ai mangé ma pizza, mais tu es là, il est 11h, tu ne sais toujours pas ce que tes enfants vont mettre sous la dent en revenant de l'école. Ce qui arrive au Cameroun n'est pas irréversible. C'est inconcevable, c'est douloureux, mais ce n'est pas irréversible. Tout ça, là, ce sont les choix des hommes. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix des hommes. Travailler pour la communauté, cesser d'être égoïste. Passer le temps à diffamer, c'est être égoïste, vouloir jeter en pâture d'autres personnes, question d'être mieux vu ou de se sauver, de s'extirper d'une situation dont l'autre n'est pas responsable. Je redis ici que oui, j'ai la tête bien pleine. Pendant longtemps même, je n'ai pas voulu utiliser mes neurones. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Mon savoir-faire, un certain nombre de choses. Oui, je le redis. J'ai une tête bien faite pour le peu que j'ai là-dedans. Ça y est. Et je sais utiliser. Je ne vous demande pas votre avis. Et je lutte pour que les populations camerounaises soient des populations avec des têtes bien faites, des personnes responsables. Je n'ai jamais vu autant d'irresponsables dans ce pays, hein, que dans les populations nouvelles générations. Je n'ai jamais vu autant. Hey, port de l'Ouest, tu es là-bas en train de... Hein? Tu es sous l'heure direct là-bas, tu animes la galerie port de l'Ouest. Donc, pardon, il ne faut pas souvent venir se perdre ici. Hein, port de l'Ouest. Tu es là-bas sous l'heure direct. Tu animes la galerie. Oui ou pas? Tu viens me dire d'arrêter les guerres ici. Ah, quand elles déclenchent les guerres, tu leur dis d'arrêter les guerres là-bas, port de l'Ouest. Il ne faut pas jouer là. Il ne faut pas jouer au con. Hein? Hein, port de l'Ouest, il ne faut pas jouer au con. Quelle guerre entre... Donc, moi, je dois me laisser diffamer. Hein? Quelle guerre? Tu as vu la guerre aussi? Quand elle menace de m'étrangler là-bas, c'est elle qui déclare. Est-ce que j'ai décidé de lui casser la jambe en retour? Pas de l'Ouest. Il ne faut pas souvent t'échouer ici comme ça. Hein? Ah, tu dis toujours la même chose. Moi, je ne suis pas en guerre. C'est un rappel à l'ordre. Je ne suis pas en guerre. Je les ai vilipendés ici. Est-ce que les êtres vilipendés ici? Nous ne sommes pas obligés de nous entendre. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre. Qu'elles fassent leur job. Qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire. Est-ce que nous sommes obligés de cheminer ensemble? Non. Ce qui est important, c'est regarder dans la même direction. Aller dans la même direction. Ben, qui est celle du 237, hein? Hein? Parce que prendre celle de la pété au Chinook là ne serait pas efficient. Ah non, 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 en direction du 237. Hein, port de l'Ouest. Je sais que tu ne dis pas toujours d'arrêter. Non, mais port de l'Ouest, je suis pas née de la dernière pluie. Mais ça n'engage que toi. Tu es responsable de tes actes. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Juste question de leur faire comprendre que ça n'ira nulle part. Et que si je voulais les verser, sans donner leur identité, je les verserais ici. Je n'ai pas besoin de donner l'identité de qui que ce soit. C'était juste un rappel à la loi. Et ça a été
entendu, mais elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris, elles ont entendu, mais elles n'ont pas compris. C'est pour cela qu'elles gesticulent toujours. Elle ne sert à rien de gesticuler. Les faits sont têtus. Allez, la famille. Bibala. Asia Ninja. Être papa, hein. C'est dur. C'est dur, Massa. Ouais, ouais, tu fais comment? Condamnation. Tu restes là bloqué. Non, non, c'est Ninja. Son fils s'est endormi dans ses bras et il se demande comment se relever. Ah, c'est dur, nous avons connu ça. Tu as trouvé la tactique. La portée, tu vas mettre dedans. J'espère que tu as un plein pied. On me dit souvent, il disait, on ne s'endort pas ici, on ne s'endort pas ici. Hé, c'était ma hantise ici. Il dit, non, 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 non. Chacun s'endort dans son lit, moi, n'importe personne ici. Elle m'a dit, 80 kilos dans ce sens-là. Non, 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 non. Ton ninja. Tu aurais dû lui demander d'aller dormir dans son lit. Hey, pardon. Hey, pas de l'Ouest. Va raconter ta vie ailleurs. Va raconter ta vie ailleurs. Dis donc. Tu ne l'as pas dit assez fort. Tu ne l'as pas dit dans la bonne langue. Il faut leur dire de ne pas déclencher de guerre. Ne viens pas dire là qu'il faut arrêter. Non. Il ne faut pas déclencher de guerre. Parce qu'une fois que tu déclenches là, tu ne sais pas qui va sauf que finir l'affaire là. Tu ne sais pas qui va sauf que finir l'affaire là. Il faut dire, ne déclenchez pas de guerre. Moi, il a vu déclencher une guerre quelque part, dis donc. Est-ce que vous m'avez déjà vu déclencher une guerre quelque part? Allez, la famille, pardon, pas de l'Ouest, excusez-moi. J'ai vu ton message. Ah, il y a une nouvelle série. Les incandescentes. Maman Sarah est... Allez, la famille. Bibala. Et encore, on ne touche pas au faux profil. On ne touche pas au faux profil. L'école est bien. L'école est bien. Et on ne touche pas au faux profil. Je veux bien. On ne tire pas sur les profils visibles. Oui, oui. On ne raconte pas des bêtises sur les profils visibles. C'est comme ça. Ça marche dans les deux sens. Tu crois que c'est l'immunité? Est-ce que tu penses que c'est l'immunité? On ne dit pas sur les profils. On est machin, machin. Elle va dévoiler. Les pleurs de ça, les pleurs de ça. Kundadou, Niki, bonne journée à toi. Ma Nicole, comme tu m'abandonnes là, on va faire comment? On va faire comment? Et que je ne suis pas une victime. J'ai dit à Karine Mungwe de déposer des plaintes. Vous adorez vous fabriquer des victimes. Je ne suis pas une victime. Je vous ai vu agir dans le cadre de l'affaire Samy. Donc, ce que vous faites là, ne me diabolisez, inventez des choses sur d'autres. C'est votre comme ça. C'est votre comme ça. Vous adorez inventer des choses. Vous adorez diaboliser. Vous savez très bien que ce n'est pas Karine Mungwe sur la photo, mais vous sortez tous en rang serré, dire que c'est Karine Mungwe. C'est vous qui êtes dans la manipulation. Je vous ai vu faire. Vous dites que l'histoire Samy le Noir, là, a révélé un pan très, très nocif de certains caméras. Donc, quand vous êtes assis là, vous fabriquez des histoires. Vous voulez qu'on vous laisse... vous étendre comme l'ambroisie. Non. Non. Je vous dis que je classe le dossier. Scellé, classé. Je jette même la boîte dans l'océan. Je jette la boîte. C'est terminé. Allez combattre. Organiser les directs. Sensibiliser. Faites des choses en direction du 237. Moi, ça va 5 ans. 5 bonnes années qui vous manquent au compteur. Désormais, là, c'est bon. Vous n'êtes plus dans mon dos. Allez trouver de l'ombre ailleurs. Ou vous-même. Mettez-vous face à la lumière.
Oui, faites-vous éblouir par la lumière du soleil. Non, non, c'est bon. Activez. Parce que depuis là, je ne vois pas ce que vous faites. Du tout, du tout. Je ne vois pas ce que vous faites. Donc maintenant, vous voulez vilipender, vous voulez. Quand je vais vouloir, je vais seulement rééditer le direct ici. Je vais télécharger, je réédite. Je vais télécharger, je réédite. Désormais, là, si je dois répondre, ça va être avec ce direct. Je réédite. Tout simplement. Même s'il y a deux personnes qui regardent, je réédite ce direct. C'est mon point final. C'est mon point final à votre bêtise. Parce que ça, je ne peux pas résoudre. Je ne peux pas. Je ne suis pas le médicament contre la bêtise, votre bêtise, là. Je ne peux pas. Donc, ça, c'est un point final. Aussi vrai que j'ai déposé la chose de Luton, là, c'est la même chose que je dépose Nene Diakité, bah, Dial Bokale, bah, Lisa Roca and Co. Comme ça qu'elle est dépose. Je scelle le dossier. Je balance ça à l'océan. Ainsi, je clôt le dossier. Ainsi, je le clôt. Ah oui. Le point de l'âge. Point final. Moi, Bibian, c'est terminé. Il y en avait qui ne pensaient pas que je déposerais un jour la chose de Luton là, non. Son nom, même, il faut que je creuse pour le trouver. Je ne gère. Mais alors, plus du tout. Vous voulez diaboliser oh. Vous voulez oh. Vous faites, dites tout ce que vous voulez. C'est pour vous là-bas. Chacun dit sa part, allez. Emballé. C'est pesé. Connaissez le dicton là. Ridic. Emballé, c'est pesé. C'est terminé. J'ai pas beaucoup. Là, je vais passer de sales moments. J'ai plus d'énergie. J'ai pas d'énergie à mettre dans le jar là. Dans cette situation, si on pouvait vendre le nombre de, c'est-à-dire le mètre cube d'air purée, vous seriez rationnel dans le feu sortirait. Oui. Parce que vraiment, la gaspillage. Allez, la famille. Achoué Makanda. Je ne jure pas souvent, mais je jure. Allez, fille. Vraiment, il y en a qui sont admins ici. Hein? Il a le vaut dans Zambie, comme on dit. Oh, Bitoua, bon, missile, quel guenon. Je jure au nom de mes ancêtres, là. Oui, Bitoua, bon, missile, quel guenon. Tous mes ascendants. Non, non, même pas. Ce sont tous ceux de mon clan. Parce que nous ne sommes pas que des ascendants. Tous ceux de mon clan qui sont de l'autre côté. Achoué Makanda. Si je sors encore ici pour parler de toute cette bande-là. Coupez le direct. Il y a des admins ici, non? Coupez le direct. Je ne vais pas vous en vouloir. Coupez ça. Dites-moi même ici que vous coupez le direct. Vous faites tchara pour couper. Coupez le direct. Abîme tes fois. Je pense avoir mis des O sur des I. Allez. Bibala, n'est-ce pas? On se tamponne chez nous, vous savez, là-bas. J'en ai besoin. Je suis. Oh là là. Est trop trop chaud quoi. Je respire très mal. Bon, bref. Là maintenant, je suis comme le paresseux. Ouais, le moral, il faut que je garde le moral. Il faut. Et là, le temps là, la pluie, il pleut même. Non, non, c'est sérieux, hein, ma Micheline. Makanda. Hein? Je ne jure pas parce que je ne pratique pas. Donc, ce serait un peu comme. Mais sur la tête de mes ancêtres, là. C'est fini. Allons chez nous. Nous allons faire le Congo ça à la maison. Mais dis que je vais venir ici gaspiller l'énergie que je n'ai même pas. Non, ce n'est pas la peine. Je suis quelqu'un de responsable. Allez acheter au supermarché. Je ne sais pas quelle marque la responsabilité porte. Allez chercher, allez demander. Faites le tour des supermarchés. Je suis sûr qu'il y en a à profusion. Allez.
Ciao, ciao. Bisous.